Hello, hello, bonjour, bonjour à tous. Oh là là, il y en a un peu de m'envoyer des trucs. Hello, hello. Attention, pourquoi baisse de... Non, tout est bien. Voilà, Spamps. Excellent. Un petit peu plus de lumière cette fois-ci, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, je check les trucs. Bang, bang, bang. On a 6 ou à 5 subs? Je sais pas. Je sais jamais quand, en fait... Bizarre. Bon, je m'embrouille parce que voilà, je suis un peu fatigué, mais on est là quoi. Personne n'a lu mon message comme quoi j'ai besoin du code Steam qui a été envoyé une adresse que je n'ai pas accès, et ça c'est oh, cool. On va manger. On va manger. Du banana bread. Comme du pain mais avec de la banane. Oui, hein. Bon, allez. Waouh, pourquoi il fait froid? Oh, sa mère! C'est bon. Tac, tac. Pour zéro spectateur. Super. Voilà. On rotate. On baisse le son. On check la gueule que j'ai. Ah! Voilà. Et on pose ça sur le côté. Excellent. Alors, je pense que c'est trop chaud en fait. J'aurais peut-être pas dû le chauffer autant. On va patienter. Voilà, c'est bien. Alors, ce qu'on peut faire en attendant, c'est potentiellement avancer sur le petit jeu. J'ai essayé de faire des trucs, c'était pas fou. C'était pas fou. Je me suis dit, vas-y, je vais faire une tile map. Donc, les tile maps, c'est un peu ce qu'il y a dans les jeux en pixel, en fait, hein, les jeux en pixel art. C'est en gros, t'as des carrés, soit c'est isométrique ou machin, ce que tu veux, mais généralement, c'est orthogonal, quoi. T'as plein de carrés, et sur ta tile map, donc ton PNG de tous les bouts d'éléments d'environnement que tu veux mettre. Bah, tu sélectionnes ce que tu veux et ensuite tu coloris ta carte, entre guillemets, pour créer ton environnement. Mais ça fonctionne pas comme ça. C'est pas... Voilà, on comprend? On comprend absolument. Bien sûr qu'on comprend. Et voilà quoi. Donc, j'essaye de faire un truc un peu mieux. En fait, je sais pas trop comment faire une carte. J'essaie de modifier aussi pour avoir une épée en fait. Mais bon, compliqué hein. Ouais, un bon app hein. Un peu séco ça. Hein. Ah putain, ça fait du bien! Oh! Bon, ce midi, ça va être Fire Noodle, évidemment. On va se péter le cul. Pardon. Le bide. Le bide. Parce que, ouais. Bah, en fait, l'un et l'autre, hein. L'un et l'autre, pourquoi? Parce que. Putain, le truc, ça déglingue. Qu'est-ce qu'il me dit, ça? Non, c'est pas ça que je veux. Envoyez-moi le code pour que je puisse jouer à mes jeux sur Steam. Oh! Mais bon. Ça veut pas, hein, écoute. Ce qu'on peut faire directement, bon, en vrai, c'est quoi? Je vais lancer le moteur de jeu. Ou alors on joue à Valo. Un peu la flemme. Et en fait, je veux avancer le jeu pour avoir, en fait. Pour avoir quoi? Non, je vais pas ouvrir Discord, moi, voilà. Avancer le jeu en live, comme ça j'ai bah, le retour en fait. J'ai les comment je dis ça moi. Oh, en plus, je crois que j'ai oublié de mettre les VOD.
Ah non, je crois que ça va jusqu'au 18. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour où les VOD sont publiés automatiquement. Pas automatiquement. C'est moi qui les ai programmés, mais il faut que je leur fasse quoi. Voilà, en gros, faut que je refasse le perso. Faut que je réfléchisse à un moyen d'avoir. Aïe aïe aïe. C'est d'attaque, on va dire, parce que pas grand chose. J'ai imaginé une petite épée, mais c'est pas forcément le meilleur des trucs. Donc. À voir. Bon, les petits bots commencent à venir petit à petit. Super. Faut que je branche mon clavier. On va faire ça. Je vais me resservir un petit banana bread. Un petit coup de banana bread. Hop, là. Pâte à tartiner bio, évidemment. Hein. Fuck Nutella. Évidemment. Voilà. Tac, 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 tac. Ah, je me suis dit, vas-y, ça sera moins sec. Ah, que nenni. Que nenni, en fait. J'ai un peu le seum. C'est pas grave. Oh là là! Oh merde! Voilà. Juste après ça, je mets. Ou alors, je le mets tout de suite. Du coup, je le mets tout de suite. On va essayer de faire ça bien. Tac. Main. Oh! Ça fonctionne déjà. Ça, c'est pas ouf. Regardez-moi ce qu'on a là. Regardez-moi ce qu'on a. Transition. Eh, c'est pas si bien ça? La merde, hein. En gros, oui, branchage de clavier. Là, heureusement que mon micro capte pas les bruits de bouche. Sauf potentiellement quand je parle déjà et que le micro voilà, entend la voix. Mais. Avec le casque qui m'écrase les oreilles. J'ai l'impression et que ça genre. Bon, toujours pas de message. Ok. Je vais vous montrer ce que j'ai réussi un petit peu à faire. Ce que j'ai réussi, entre guillemets. Hein. En gros, voilà, il y a les mobs qui nous suivent. On a 3 cœurs. Les mobs ont 3 cœurs aussi, je crois. Et quand tu les tapes, sperme. Sperme. En fait, c'est ça que j'arrive pas à définir. Sperme. Bah, s'il touche l'épée. L'épée, le truc violet là, hein. Il dead. Oh, chiant. Et en fait, j'arrive pas à. Voilà, si je laisse appuyer, le truc il est en bas. Si je laisse appuyer, en fait, normalement c'est censé faire tac, censé faire un truc comme ça, tu vois. Et si tu laisses appuyer, c'est censé continuer. Bang 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 bang, bah dans l'autre sens du coup. Bang 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 bang. Et ça veut pas. Et du coup, je suis bloqué là-dessus. Mais le système de vie fonctionne. Les ennemis ont également la vie. Je peux en enlever quelques-uns. Genre 7, lui aussi, voilà. Tac. Du coup, quand je fais ça, c'est des dégâts, quoi. Mais l'animation me plaît pas forcément. Je sais pas si on fait un truc 90 degrés, tu vois, ou non.
Ah, j'ai essayé de regarder des vidéos de jeux, développement et tout, un peu en top-down comme ça là. Mais c'est pas. Pas dingos quoi. En gros, j'arrive pas à savoir si. En même temps, il y a un perso en fait. Il y en a vu un, j'étais trop. Je sais pas si je peux le revoir. J'ouvre ça. Normalement, j'ai plein de fenêtres, alors j'en avais pas beaucoup avant, ça me saoule un peu. Je crois que c'est celle-là. 1h44? Non, ça doit être un gameplay de Isaac, ça. Aïe, putain. Pourquoi il crie? Stop crying! Putain, désolé, hein. Voilà, c'est mieux. Eh. Bah, j'ai entendu du bruit, j'ai eu peur. Voilà, je vous rapproche un peu. Pas trop non plus, si vous allez me briser les genoux. En gros, bah voilà, je regardais un peu Isaac comment ça fonctionnait. Et tu vois, genre, j'aime bien. D'après, avec les viewers, on s'est dit, vas-y, on va faire un truc un peu similaire. Où tu vois les murs à l'intérieur, t'as des portes qui te permettent de partir. Sauf que j'ai pris une tilemap random et forcément bah les trucs elles sont pas trop pareils. Après j'aime bien mais il va falloir retravailler tout ça quoi. Et du coup il y avait quoi? Il y avait ça. Si je baisse le son encore. Oh, t'avais les PV, je sais, je crois que lui c'est un demi-cœur, pas demi-cœur. Un demi-cœur, pas demi-cœur. On va couper le son, hein. Ah, c'est ça. Et en fait, je me suis dit, vas-y, comment dans Isaac ils attaquent? Et en fait, c'est par défaut, c'est voilà, tu lances des larmes du coup, parce que le perso il pleure. Tu dis, ça convient pas forcément au gameplay du jeu qu'on veut faire. Ou alors, au contraire. Ah, les bâtards, il y a des cœurs qui fuient, c'est excellent. Ou alors, justement, on envoie des genres de cœurs, c'est pas. Parce que les ennemis sont des viewers d'autres streamers. En fait, tu dois les vaincre. Comme si tu les. Les convaincs que. Voilà, il faut. T'envoies du love, t'envoies du. T'envoies des emojis, mais c'est pas fou. Si c'est déposé les emojis et pour lesquels peut-être non ça me tente rien, je sais pas. Voilà, t'as une barre de stamina je suppose, pour certains pouvoirs. T'as toutes tes stats sur la gauche, intéressant, et là c'est tous tes objets que tu as. Et après Isaac c'est donjon full donjon, tu vois. C'est pas trop ça que je veux voir. Voilà, c'est celui-là. Rendez-moi ça, j'aime beaucoup. On va peut-être voir le 1. Improving enemy teamwork. Ok, on va voir. En gros, en full screen. Ouais, on s'en fout. Quand, voilà, il bouge la souris. En fait, son arme. Voilà, ça suit la souris. Et bon, l'arme là, c'est un genre de. Tu lances des choses. Mais on voit que quand il laisse appuyer, en fait, son arme, elle balaye. Et je sais pas si son arme de base fait des dégâts. Je pense qu'il s'est pas cassé les couilles à faire en sorte. Voilà, c'est lui-là. En fait, je crois que j'avais. Voilà, ça c'est le 2. J'aimerais avoir le 1. Voilà, il faut toujours regarder un peu les autres. Bah, c'est dégueulasse ça. C'est marqué HD, c'est aussi bleu. Voilà, c'est mieux. Du coup, voilà, il a une. On va peut-être un petit son. Voilà.
On l'entend presque pas, mais. Il y a un arc aussi, mais soit. En fait, voilà, son. Non, non, non. Pourquoi il me montre ça? Moi, je veux juste les épées, moi. Oui, il a fait un miro avec quoi? Combat RPG, buff, free movement. Ouais, bon, c'est son truc de. À quoi va ressembler son jeu, en fait. Voilà, mais nous, on a tout fait ça aussi sur un doc. Voilà, il y a des dialogues, mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est savoir le l'angle d'attaque du truc. J'ai l'impression que c'est carrément un 180, tu vois, quand t'attaques, si ton épée est ici, bam, elle va se retrouver comme ça. Et puis voilà, en fonction de l'angle de ta souris, quoi. Tu lèves ta souris, bah, ton arme va être là, et ça fait comme ça, quoi. Normal, en fait. Et je sais pas si on fait un truc à la Isaac, justement, où t'attaques que en haut, à droite, genre dans les quatre directions. Parce que j'ai pas vu les mobs, ils attaquent comment là-dedans? T'en fous, il te fonce dessus, c'est tout quoi. Fonce dessus et puis c'est tout. Ouais. Toi, tu peux attaquer que dans les quatre directions. Ok. Ah. Plops, voilà, je regarde. Toujours pas de message de la part de. Non. On mettra pas de sang, on mettra peut-être. Je sais pas. On met de la peinture, tu vois. Mais c'est pas fou. Bah, il détruit les boss, par contre, c'est un fou furieux, lui, hein. Mais c'est un walkthrough, donc. Un walkthrough. En gros, s'il a déjà fini le jeu, et il refait en mode. Facile, quoi. En mode facile pour lui, mais dur dans le jeu, tu vois. Il y a des mobs énervés quand même, hein. Putain. Ah. Particulier, mais ok. Oh, le code vient de tomber. Le code vient de tomber. Mais non. Tac. Oh, je me force sur la première touche, quoi. Super. Tac. Tac, 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 tac. Oh merde. Oh, on m'appelle. Oh merde. Oh, je reviens, les gars.
Alors, bang, on était parti sur ça. Ouais, j'ai fait arrêter le streaming, je suis un fou moi. Voilà. On m'a appelé, voilà, on m'a dit, il faut pas travailler, il faut pas jouer, il faut travailler. Oui. Oui, bah je sais. C'est le principe, en fait, de ce que je fais. Déjà, voilà. Super. On boit un petit peu. Du coup, on va se remater ça là. Bon, il taffe sur les ennemis. On fout, voilà. Je sais pas si c'est approprié de faire un truc comme ça. Ah. Je sais pas. Parce que... Putain, ça me saoule. Déjà, je vais essayer de faire un truc aussi stylé en termes d'attaque. J'aime beaucoup le principe. Même si c'est que droite ou gauche, bah, au lieu de prendre par rapport à la position de la souris, on prend par rapport à la dernière direction du joueur, tu vois. Il a juste à cliquer au bon moment ou appuyer sur certaines touches, tu vois, à voir. Donc en fait, si on essaye de faire notre truc, si on va dans le player, ok, ceci est le player. Ceci est l'épée, ok. Mais l'épée qui est comme ça là, on va reset l'offset, voilà. On fait. Je bouge ça, ça devrait bouger les autres, non? Ah non, c'est l'inverse. Fuck. Pas grave. En gros, centré. Ouais, on peut, soit. Je vais le mettre très haut, donc en Y moins, moins 50, peut-être un peu plus, en 75. Voilà. On va réduire le truc de chaque côté. Voilà. Réduire ça peut-être. Faire genre comme une petite dague. Oh bah ça on va le caler. On va le caler dessus. Tac tac tac. Voilà. Voilà, comme ça le centre. Ah, il est trop haut. Normalement, si on clique sur ça, voilà, on peut plus choper le reste. Alors, faut juste qu'il soit haut par rapport à son point d'ancrage. Le truc qui est au centre, vers l'épée. D'ailleurs, le truc il a bougé. Si on prend la sword et qu'on met ça au centre du joueur et qu'on le met derrière le joueur, voilà. On enregistre ça, ça fait quoi? On a le truc au-dessus, ça nous fait des, ça nous fait un peu la même chose. Bon, c'est un peu chelou hein, quand ça arrive en bas. On est d'accord. Ou alors je fais en sorte que on clique juste. En fait, si on le laisse appuyer, ça devrait attaquer. Logiquement, tu vois. Mais. Bon, bah. On va dans le script de l'épée. Bon, voilà, attaque. Le truc qui est appelé, même si on laisse appuyer sur la touche.
Hop, je vais ranger le pâte à tartiner. On va pas faire des dingueries. Voilà. Et en gros, j'explique un peu tout ça. Hop, on rabat ça. Tac, ok. En gros, la fonction attaque est appelée à chaque fois qu'on appuie sur clic gauche, qu'on laisse appuyer. On laisse appuyer toutes les frames, ça envoie. Et c'est notre problème. Mais soit. Bah, pour le moment, l'aspect un seul clic. Alors j'ai créé un truc délai, mais bon, ça on en reviendra après. Une fois que tu attaques, en fait, tu starts, twin, c'est pour l'animation. Oh, c'est. Voilà, on démarre une animation. Et bah, une transition plutôt. La transition, elle va être sur l'épée elle-même. L'épée elle-même. On dit qu'on va changer sa rotation en degrés. Ça, c'est la valeur initiale. Merde. Valeur initiale, du coup, bah, c'est rotation degré. Ça, c'est la valeur finale, donc 180. Donc, elle est tout en haut. On veut que quand on clique, bam, elle descend tout en bas. La duration, la durée, du coup, c'est 0,3, un du genre. Ensuite, c'est trans expo et is out. Donc, is out, c'est le type d'animation. Et trans expo, je sais pas ce que c'est. J'avoue. Okay. On peut faire ça. Donc on a un objet, la propriété, l'initiale valeur, la valeur finale, le temps, bah, le type de transition. Et en fait, on peut aller voir dans transition type. Et on voit qu'on en a pas mal. Et nous, on a expo. L'animation est interpolée en une fraction exponentielle à la puissance x. 1. Tu comprends? Cool. Back l'animation interpolée en reculant l'extrémité. Donc si je mets transback, je dis que l'animation, elle fait un truc. Non. Elle fait ce que je veux depuis le début si je mets ça. Pas possible. Du coup, attends, faut que je vire ça. Que je peux presque virer ça en fait. Voilà, on annulera tout si ça merde. Mais en gros. Ouais, non, ça a rien fait. Hein. Voyez-vous. Zéon, faut qu'on fasse l'animation du perso aussi. Ça va être un bordel ça, parce que je sais pas trop comment il me prend. Donc c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Ok. Donc, en gros, le type d'animation et le. L'animation. Ouais, on va quand même voir ce qui se passe dedans. Donc linéaire, expo élastique, interpolé avec un effet élastique, circulaire, interpolé avec une façon carré, fait des rebondissements à la fin. Non, si on met linéaire, ça fait quoi? France. Linéaire. Voilà. Ah ouais, non, c'est un peu chiant. Trans, il y a quoi? Bounce, bouncir, cubique, élastique. Élastique, ça peut être rigolo. Dans le sens où. Dans le sens où c'est pas rigolo du tout, en fait. Non, mais je pense que trans expo, c'est le mieux, en fait. Hein. Ou. Sign. Vas-y, ça a l'air marrant, sign. Mets sign. Ouais, non. Oula. France Expo. Tac, tac, tac. Voilà, en fait, le. Admettons, c'est pas trop un souci que ça fasse des petits coups comme ça.
Alors, faudrait faire disparaître l'épée à la fin. Ça me saoule parce que je sais pas trop comment faire en fait. Et quand je sais pas, ça m'énerve. Quand je sais pas, ça m'énerve. Voilà, c'est un souci aussi ça. Oh, pas comme comme jeu. Après, on est parti sur une tile map, donc ah, il faudrait ah, je crois qu'on peut modifier ça en fait. Paramètres du projet. Écran de démarrage. Voilà, la fenêtre. On peut mettre un truc du genre 1024 par 720. Voilà. Redimensionnable, ouais, si tu veux. Économie d'énergie. Et voilà, c'est ça qu'il faut. Mode. Mettre l'aspect. Garder l'aspect. Voilà. Du coup, quand on lance. Si on met en plein écran, pas forcément l'aspect quoi. Ça c'est du en 1080 par 120, mais le 720 c'est bien ça, c'est bien ce que j'ai mis normalement. Largeur. Si, c'est ça normalement. C'est bizarre. Ça fait bizarre. Mode. Je sais pas, disable. Peu expand. Regardez l'aspect. Voilà, c'est très bien comme ça. Bon. Ou. On a vu que si je faisais uniquement l'interpolation, sans tout ce merdier au-dessus, dès que je clique, le truc il va en bas et il se remet plus jamais en fait. Donc, il faut que en gros j'ai créé une attaque, bah, un timer. Fait que à chaque fois que le timer est fini, l'épée remonte. Du coup, si tu laisses appuyer, bah, ça descend et après ça remonte direct. Et après ça redescend puisque tu rappuies. Et du coup, en fait, quand j'ai créé un boule boolean false, le délai, pardon. Et en gros, de base, il est à faux. En gros, s'il n'y a pas le de délai à attendre, en gros, s'il n'y a pas, c'est ça, s'il n'y a pas à attendre que le truc remonte, donc on le descend. Il est déjà en haut. Du coup, on lance délai, justement, attaque délai. On dit que c'est true. On a démarré le délai et ensuite on démarre l'animation pour le descendre. Donc premier clic, le truc il descend. Ensuite on attaque délai timeout. Donc dès qu'il s'est passé
0,5 secondes, l'épée remonte. Donc c'est ce qu'on voit ici. Quand je clique une seule fois, tac, le truc il revient juste après à sa position initiale, quoi. Donc là ça va. Mais le problème, c'est que si tu laisses appuyer, ça remonte pas. Parce qu'en fait, ça appelle constamment ici. Et dès que c'est fini, ça laisse pas le temps, en fait, de faire ça. Voilà, il faudrait que j'attende. Non, si je crée un timer, ça va pas le faire non plus. Et en fait, je sais pas. C'est ça qui m'embête. Dans le player, normalement, attends, on va se poser. Le sprite du player, on va laisser, sprite. On peut peut-être le changer. Que j'en ai normalement un nouveau. Que j'ai pas mis ici. Ok. Cool. Bah tant pis. En fait, il y a un truc qui s'appelle l'animation. Qui permet d'animer les trucs en fait. Hein. C'est un nœud animation de player pour créer et modifier des animations. D'accord. En fait, il faut animation player. Dans les trucs rouges là. Animation player. Là. Animation. Oh. Player. Animation. Un peu paradoxal, j'allais dire. En gros, si je clique ici. Une piste. Piste de lecture d'animation, lecture audio, tour de Bézier, de propriété, de sprite. Ok. Et on cherche. Ce qu'on peut mettre. Ah, il y a d'autres trucs en dessous. Rotation scale. Scale, hein, je pense. Genre on le fait descendre, va bing 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 bing. On fait le rebondir, tu sais. Vas-y, scale, c'est bien. Et en gros, bah au début, il est comme ça, c'est cool. Comment on fait pour augmenter les frames? Ouais, c'est 2 secondes, ok. Et 2. Jusqu'à 2, ok. Ah oui, ok. On va laisser 1 ici. Et c'est un peu compliqué, hein. Ou scale. C'est quoi? C'est il faut. C'est où du coup? Scale. Transform. Scale. On va diminuer. Comme ça. Ok. Peut-être pas. 1,8. Tac. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah non, faut créer un point clé. Créer de nouvelles pistes. Insérer des clés. Ouais. Non. Bon, ça marche.
Là, si je vais insérer une clé. Fail. Ok. Je clique sur la clé. Ça crée un truc. Super. Sympa en vrai. Tac. Ça. On lit le truc. Waouh, c'est trop loin. Trop loin. Pas eu les points là. Pourquoi c'est si loin? Une seconde. Non. Voilà, c'est mieux ça. Bah, t'es pas une, mais cinq têtes. Pas trop comment ça fonctionne. Ok. Ok, bon, on va virer ça pour le moment, hein, si ça vous dérange pas. Est-ce qu'on part direct? En vrai, il y a peut-être des mises à jour. Il n'y a pas de mise à jour, ok. Il est quelle heure? Il va être midi. Non, on peut faire ça. On peut continuer, j'ai envie de corriger les petits sous. Mais faut se mettre dedans comme il faut, quoi. Ah oui, mais demain matin, je pourrais pas jouer. Demain matin, je pourrais pas jouer. Oui, ça dépend. Ça dépend, je verrai bien. Comment ils font les gens? Ah. C'est quoi ça? C'est la target. Ok, ici crève. Peut-être une classe à lui.
Okay. C'est quoi? C'est de l'auto-target qu'il a? Peut-être target. Si la cible et la présente target et la précédente cible, alors on n'a pas besoin d'update. Ok. Dire à l'ancienne cible que elle n'est plus target anymore. Ok. Ah oui, c'est self. En fait, j'ai mal géré. Bah, mal géré. En gros, dans mon script. Ici, là. Je chope la racine, mais j'ai marqué self, en fait. Moi, là, j'ai tenté les is, machin, et tout. C'est vrai que self, j'y avais pas pensé. Tic, 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 tic. Admettons, est-ce que ça fonctionne toujours? Ça fonctionne parfaitement. Ok. Bon, ça, c'est la dixième vidéo du gars. Oh, j'aime bien son type de truc, mais ça correspond pas forcément à ce que j'ai, quoi. Oh, item. Killer gagne nul. Ok. Le montant c'est 2 plus. Donc t'as minimum 2 plus un nombre random. 3 en fait. Hein. Un nombre random entre 1, 2 et 3. Global level. Globals donc c'est un truc à lui. Level c'est un truc à lui. Spawn coins. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il a un script qui fait qu'il a toutes les variables globales, justement. Et les défauts globales. Du coup, en fait, il spawn le coin okay, à la position du joueur avec un montant, du coup, random. Andy, barren, it et int. Ouais, c'est ça en fait, c'est le. Mais what the fuck, qu'est-ce que c'est? Mais j'ai trouvé instantanément. En fait, rendi, je pense que c'était random, mais juste la fonction random. En fait, c'est rend pour random et le i pour int. Et du coup, le rend f, c'est random float. C'est pour ça que il met inférieur à 0,25. Alors, ça n'a rien à voir. Mais je pense que c'est ça. Et en gros, global level spawn hertz, voilà, c'est ça. Donc t'as voilà, 25% de chance de tomber sur un cœur. Un seul cœur. Après, bon, il a quand même pas mal de cœurs, donc c'est pas trop grave.
Ouais, c'est ça. Je sais pas si on fera des drops aussi. Pardon. Mais intéressant de savoir comment il fait. En gros, les drops, t'as un type, le minimum de ce type, le poids, donc je sais, mais bon. Ensuite, t'as coin, comme 4. Ah ouais, ok. Ah, c'est pas mal ça, mais comment on l'utilise du coup? Tu peux augmenter ta chance. Ok. Ouais, je pense que pour s'immerger dans le jeu, il nous faudrait déjà des animations. Et des tout petits trucs, genre quand tu marches, ton perso fait tout 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 tout. J'en ai du genre. Et je sais pas faire ça, moi. Condition électrique. Lol. En gros, c'est si c'est supprimé, alors tu tombes. Ah. Get entity value more to come. Ok, ouais, bah c'est la fin de la vidéo, c'est normal. Ah oui, il a créé un dictionnaire et tout. Voilà, que je fasse ça. Je pense que c'est. Engagé dans un truc un peu vénère. Hein. Get entity value. Un dictionnaire qui retourne des valeurs. Donc l'entity, l'entité et l'attaquant. Donc les valeurs point attaqueur luck égale la luck et si c'est pas nul, en fait si la luck pas nul. Non, pas du tout. On chope la luck. Et si l'attaquant. S'il y a un attaquant. Et que l'attaquant est le joueur. Ah si, c'est ça. En gros, on chope la luck. S'il y a un attaquant et que l'attaquant c'est le joueur. Bon, c'est 1. Ça veut dire qu'ils peuvent s'attaquer entre eux. C'est vénère, hein. Le mec, il a fait un job de fou furieux, hein. Putain. Voilà, on retourne sur le 1. Pas plus simple à comprendre, sûrement. Voilà, du coup, il a fait un truc du genre. Je pense qu'il était en live comme ça. Moi aussi, je veux les mousses derrière là. Ouais, bon, il dessine des trucs. Et ça, c'est payant. Le logiciel, là, il avait l'air bien. C'est payant. Et puis moi, le design qu'on a choisi, c'est un truc un peu vénère. C'est genre... un truc comme ça, quoi. Plus... Voilà, un perso comme ça. Et moi je sais pas animer et des trucs en pixels. Ou alors si je cherche auto animate auto animate pixel art. Pixel art animator. Ok. Tu vas choisir un fichier. Live. 7. Non, qu'est-ce qu'il veut?
Ah, il veut un JSON, c'est un ouf lui quoi. Pas ça moi. Voilà. C'est pas là-dedans, c'est là-dedans, je crois. Ah, j'avais appelé perso. Alors je l'ai mis direct. 2. 7. Perso, là. Fun. Osvaldi, ah, please wait. Putain. Qu'est-ce si je fais un rond? Quoi? Ok. J'ajoute une autre frame. Ok. Oui, 3. 3. Ok. Ok. Peu naze, hein. Ça, c'est moi, je suis un peu nain parce que je sais pas quoi. Moi, je veux un truc qui auto-anime, en fait. N'existe pas ça? Ça m'étonnerait, hein. Procedural pixel generator. Wow. Un truc procédural. Layer, middle. Quoi ça? Ok. Generate. Tu cliques dessus pour générer le truc. C'est les mêmes à chaque fois. Ok, je supprime. Yes. Le milieu, admettons, on va faire un. Enfin, on va essayer de faire un bonhomme comme ça. Tec, 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 tec. Tec, 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 tec. Waplay. Parfait. Incroyable. Ok. Rate. Générer là. Différents sprites ça? Non, j'ai du mal à y croire. Ils sont beaucoup trop similaires. Exemple. Ça. Yes. On génère ça. Ah oui, d'accord. En gros, faut faire un stickman, quoi. Ok, j'ai fait un stickman. Un stickman violet, comme ça. Supprime. Pourquoi il y a des trucs au bout de l'écran? Tac. Ferms. Voilà, et là, je génère. Là, ça fait des persos, là. Les mêmes bon c'est chiant. Ah, par contre on peut avoir une petite épée là. C'est quoi qui nous fait, pourquoi il nous fait des, il génère des épées différentes et c'est des fous. Comment tu veux savoir, comment tu peux savoir qu'il faut faire ce genre de truc? On va voir ça quoi. Après il y a un tuto, c'est relou. C'est relou. Dynamique résolution intelligente sprite. Qu'est-ce que c'est ça? Non, on s'en fiche. C'est un truc à payer.
Vas-y, fais voir, c'est quoi? Trailer, vas-y. Ok. C'est bien ça, ça remodifie en fait, c'est un truc de fou. Okay. Ouais, bon. Putain. Ouais, je regarde des persos déjà existants, quoi, mais Moi j'en avais vu. J'en avais vu et chopé quelques-uns, je crois. Je retrouve. Méga Voxel, qu'est-ce que c'est? Serve une photo de paper, ok. Je sais pas ce qu'on peut. Voilà, ça c'est ce que j'ai pris en fait pour faire le petit monde là. Il y a des sprites intéressants. Des caisses, des conneries du genre et tout. On va garder pour le moment, bien évidemment. Après, on changera, mais pas tilemap du coup, mais pas personnage. First person, third person, caractère. Voilà. Oups. Voilà, peut-être un peu trop zoomé. En gros, il y a ce petit caractère là, c'est sympa. Bien quand il donne des coups, mais je comprends pas le système d'attaque en fait. Et ils font que des mini persos. Ah. Unity package require Unity, nanana. Pardon. Ah ouais, mais non, c'est 15 balles, j'ai pas vu. Fuck. Caractère, c'est 13 balles. Y a pas un filtre gratuit? Oh, c'est juste pour des tests, je vais pas payer. Alors que je vais pas m'en servir. Ouais, j'aime bien le principe. On va mettre des petits chats. On va mettre des petits chats. Ben, en fait, je me perds trop. J'ai tellement de trucs que j'ai envie de connaître que je me perds. Qu'est-ce qu'on a dit en fait qu'il faut faire? Là, ce truc là, il nous faut une frame clignote quand on prend un dégât. Qu'on clignote quand on prend un dégât. Donc dans le player en fait, dès qu'on prend un dégât, là c'est pas get damage mais c'est take damage. Voilà. Où on va avoir des erreurs un peu partout. Notamment. Tic 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 tic. Take damage. Là, take damage. Sur la sword. Take damage. Voilà. Ensuite. On prend, voilà, clignote. Donc, how to clignote. On a besoin d'un twin, donc on a déjà le twin. Super. On va. Ah, en fait.
Ouais, dans Sword pour choper un peu comment ça fonctionne. Tac. Voilà, on prend ça. Player, take damage. S'il n'est pas vulnérable, on fait ça. Voilà. Tac. On. Voilà. On que le player. On va voir. Le player. Qu'est-ce qu'il peut faire, le player? Bah déjà, ce sera le sprite, je pense. Alors, le player, il peut faire quelque chose. Non, ou alors le sprite. Okay, tac, tac. Non, faudrait le mettre en blanc, un passage blanc. Non, comment on peut faire? Materials. Ah, visibility, on a du. Mais tomber blanc, c'est normal quoi. C'est la couleur de base. Faudrait en fait qu'il. Ouais, qu'il devienne blanc, non? Comment ils prennent des dégâts là-dedans là? Non, j'ai pas besoin de ça. Regardez au cas où. On prend un dégât, le gars, ça fait quoi? Ouais, il devient. Il clignote quoi. En vrai, je pense qu'on peut. On peut faire ça, genre. Et très rapide. Très rapide. Sur le script du player, ça sera pas self, mais ça sera du coup sprite. Le sprite, power rotation degrees, mais visibility. Voilà, ulti. Le trou à false. Duration 0,1 pour que ce soit très rapide. On va voir ça déjà. Mais il va juste devenir invisible. Même pas. Quoi, même pas? Okay. Il était là, c'est quoi? Utilise l'index. Il était c'est juste visible. Ça? Oh, je suis invisible. Ok. Faudrait que ça fasse que ça revienne en fait. Du coup, ça sera trans. Pack Elastic. Quartz. Bon, j'en mets plein d'affilés. Bon. Faire. Expo, admettons. Et là. Back in out out il faut que j'attende pour mettre plusieurs interprètes propres. Délai. Ah
Non, on va pas mettre un délai, ça sert à rien de mettre un petit délai. Juste l'intérêt. Le... Ah si, c'est ça. Ok. Sword. On va dupliquer ça. Password. D'ailleurs. Ça. On met false. Ou. 01 et le la latence ça va être de 01 délai pardon ou non ça va faire pipic voilà on refait tac 01 tac voilà. Et normalement, on clignote. Passer en gros, on devient visible en 0,1. Ensuite, on devient visible, on redevient visible, on redevient visible. C'est passé 0,1? 15, hein. Voilà pour que ce soit un mini peu plus. Ah bah non. Gros là faut que ce soit 0,1. Là faut que ce soit 0,2. Là faut que ce soit 0,3. En gros ils se lancent tous en même temps. Et il faut qu'il y ait à chaque fois un peu plus de le truc. Voilà. C'est pas se passer. Tac. 15. 02. Là, on aura peut-être un petit truc. Voilà. Je suis pas sûr que ça soit comme ça. Je pense qu'il y a une meilleure. Meilleure solution. Mais pour le moment, on va rester comme ça. Ensuite. Dès qu'on aura des mini bases, je regarderai pour... là, c'est comment là? On a vu qu'il prenait des dégâts juste avant. Ouais, il clignote, mais longtemps. Et je vais pas faire ça infini. Or, je fais une boucle. Je fais une boucle. Fort. Pourquoi? Bon, i in 10 marche comme ça? Est-ce que ça marche comme ça? Ça a l'air pas. Modulo de 2 égale 0. Alors, en gros, ça veut dire que si c'est 1, ça fait 0. Bah, si c'est 0, 0. Si c'est 1, ça fait 1. Et si c'est 2, ça fait 0. En gros, si c'est pair, quoi. Si c'est pair, on fait ça. Tac. Sinon, voilà. C'est bien. Tac. C'est pas le, pas le mode. Peut-être pas 10 frames. Même c'est bien. C'est par 10, mais ça va pas cligner très vite, quoi. Par 2, non, pareil, ça sera pas incroyable.
Alors 10, c'est bien. Enfin, je sais pas. On souhaite. En gros, voilà, ça c'est première. Alors si c'est pair, bah, si c'est impair du coup, ça. Attends, ça me prend la tête alors que c'est tout con. Ça me prend la tête alors que c'est tout con. Parce qu'en fait, il faut augmenter le délai à chaque fois, évidemment. On va pas mettre un délai de 10 secondes. Ouais, il faut faire diviser par 10. Ça aura 0,01. Mais non, pardon, ça fera 1 pour la dernière frame. Bon, remarque, c'est pas grave. Hein. En gros, dès le début, on devient transparent. Ok. Merde. Voilà. Et sinon, c'est l'inverse. En gros, c'est le début d'invisible et ensuite d'invisible. Il nous faut un délai de i t par 10. De i par 10. Est-ce que ça a fonctionné ou ça a explosé? Ça explose. Je pense que le délai est trop. 10 par 5. 10 par 5. Bah, c'est beaucoup moins, quoi. Ok. Ok. Okay, non, 10 c'était bien. 10 c'était bien. En gros, dès qu'on est ça va pas fait. Dès qu'on est touché. Tac. Merde. Dès qu'on est touché, on devient invisible instantanément. Voilà. Ensuite, on a une latence de minimum 0,1 pour devenir invisible. Donc, on devient visible. Ensuite, on lance un petit timer pour clignoter, tu vois. Petite boucle. On va voir. Tac, 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 tac. Ça fait 1. Oh, ça va commencer par 0. Module 2. Ça fait 0. Oh, ça commence par 1 en plus. Donc, il reste 1. Donc ça fait le premier truc fait que on devient invisible. Béton est déjà invisible, c'est pas grave. Ensuite, on passe ici. Ok. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Invisible à la fin. Par précaution. Par précaution de 1 seconde, on va redevenir visible. Voilà.
Ouais, je sais pas si ça va juste trop vite. Si le délai est pas juste trop rapide. Si on divise par... par 2. Non, pas par 2. 5. C'est-à-dire que là, c'est à 2 secondes. Voilà. On devient visible tard. C'est quoi ce délire? Non, ça, de ça, ça, on peut le virer, on peut le virer. Tac, ça aussi, ça là, ça ici, ça comme ça, tac, 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 là. On peut mettre un espace là-dessus, peu, un gros. Sur quoi? Bien visible. Ok. Avec une latence. I par 10. Ensuite, là, pourquoi il chine, lui? 2. Par 10. Plus 0,1. Quoi? Ah, il y a un espace dans la ligne. Voilà. Ah, il y a un problème. Pas trop vite. Pas trop vite. C'est par 5. C'est bizarre. Zéro zéro un. Et pourquoi je clignote plus tard après? Alors. Par 5, ça veut dire que par 5 c'est 1 en 0, donc c'est possible. Point 0,1 et là point 0,2. Et on divise quand même par 10. C'est un truc qui me paraît bizarre. Parce que... Ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Je fais print i, hein. Comme ça, on est sûr. On est sûr de ce que je dis comme connerie. Voilà. Ça démarre bien de 0. Ok. Ou si on fait i, c'est par 10. Ça va bien jusqu'à 9, du coup. Bien raison. Voilà. On a que du zéro. Quoi?
A que du 0. C plus 0,01. Ça fait la même. Après, j'allais dire si on fait ça, fois. Ça revient même. C'est même pire. Ça fait 18 par 100. Eh, ça fonctionne mieux. Ok. Donc si on fait ça. Voilà. Donc 0,1 si on fait 0,2. Non, c'est trop. On fait 15, ça. Ok. On arrive à 1,35 à la finale. On va mettre ça. Que diviser, ça ne pas. Alors que multiplier, ça fonctionne. Je vais laisser 1 et je vais faire plus 0 en 0,1. Parce qu'en fait, c'est la même valeur à chaque fois, donc il faut dire que la deuxième vient un peu plus tard. Un peu beaucoup pour le coup. Un peu beaucoup. Tac. 4. Enfin, trois. Ok. Vas-y, c'est bien ça. Ça me plaît bien. Tac. Tac, tac. Voilà. On peut peut-être mettre ça. Comme ça, parfait. Puis on vire un peu l'espace qui sert à rien ici. Ok. Donc là, on a un petit truc qui fait que notre perso clignote. Voilà, il clignote trois fois en fait. Mais très vite. Et là, il fait. Voilà. On est pas mal. Yo Kratos. Comment ça va? Voilà. On est pas mal. On est pas mal. Pimps, pimps, pimps. Et en vrai, c'est clean, hein. Le bâtard, hein. Ensuite, il y a le délire de l'épée, en fait, que un peu. Il faudrait ne pas l'afficher. Pas en fait. Ou alors je tire des balles, je tire à balles réelles. Comment on peut faire? Comment on peut faire? Est-ce qu'il me reste... Putain, j'ai plus de chocolat chaud. C'est l'heure là. Je vais pas avoir l'heure. 44. Ok. Donc en fait, notre perso clignote. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Est-ce que les ennemis se superposent? Se superposent un petit peu. Ok. Bien. 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 Je voulais voir dans le jeu qu'on regardait là. Voilà, on va pas regarder le 1, on va regarder ce dixième. Je pense qu'il y en a d'autres, mais. Voilà. Je vais voir si quand les mobs attaquent. Ça, c'est un truc. Eh oh, qu'est-ce que tu me fais là? Voilà. Est-ce qu'il bloque ton personnage? Je crois pas, hein. C'est un peu fort.
pas. Je sais pas, ça va. Bon, il tire de loin avec son bâton là, c'est un bâtard. Il triche. Et il y a l'écran qui tremble. C'est un peu chiant si l'écran tremble en plus. J'ai l'impression que ça bloque, mais je suis pas sûr. Ok. Il est trop fort, c'est lui qui fait tout, c'est un fou furieux. Moi je sais pas faire ça, moi. Ah si, il passe à travers. Attends. C'est nouveau ça, j'ai pas vu. Il passe à travers. On passe à travers, mais gardez notre aspect de. On passe à travers les mobs sans enlever notre. Voir, je le mets sur le même masque, mais pas sur le même layer. Ah, je comprends pas trop comment ça fonctionne. Chaque fois ça me embête. C'est-à-dire que en plus notre perso là, comme j'ai pas réussi à faire. Voilà. Comme j'ai pas réussi à faire l'animation, bah. Hop. Ça. Notre player, du coup, bah, c'est le. Voilà, il est. Faudrait le mettre. On laisse sur le masque 1. On va mettre les ennemis en fait sur le. Il. Le viewer. Donc voilà, avec sa petite barre de vie là, sympatoche. On va mettre layer 2. Mais laisser le masque 1. Qu'est-ce que ça fait? On met sur le masque 2, mais le layer 1. Change rien. Merde. Je mets layer 2, masque 2. Là, je passe à travers. Et eux s'entrechoquent. Pourquoi? Ok. Non. Collision. Okay. Et mon player 1. Et le fait qu'ils aient tout sur le 2, ils s'entrechoquent entre eux. C'est quoi la logique? C'est quoi la logique? Si je mets sur les deux masques. Encore. En gros, faut que je mette les deux masques. Ok. Je peux pas passer à travers. Mais les deux, tout, mais tout. Ouais, bon, ça c'est mal du coup. Ça faire ça et il meurt, c'est un peu casse. Ah, plus tard. Les zéro masque et que le layer 1. Ok. Ah, pour je ne sais quelle raison, le masque 2 fait collisionner tout le monde. Cinq. Put, tais-toi. Là, ok. Ah, s'ils sont sur un truc différent du 1. Ouais, ils attaquent.
passe à travers, donc ça c'est pas trop mal. Et il faudrait quand même ça là. Ok. Je peux pas passer à travers. Pourquoi je peux pas passer à travers? Ou alors on laisse tout sur 1. Les index sont le compte d'un. Bon, ça va pas fonctionner non plus. Ok. Ils s'entrechoquent entre eux. C'est-à-dire que quand je passe au-dessus, ils se bloquent. J'enlève Z à Z relative. La même. Ok. Ça. Au point comme c'était avant. Ah. Masque. Le 9. Okay. Layer 9. À travers. Et eux, non. Eux, ils se superposent pas. Trop pour rien. Ça me casse la tête. Prends la tête. Alors, c'est juste mon perso qui doit bouger. Alors moi je vais pouvoir passer à travers les mobs. Si je me mets sur layer 2, on peut sélectionner plusieurs layers. Ça c'est pas mal. Là, ça change. Change également le masque. Je pense que ça va revenir au même souci, hein. Ah. En gros je peux passer à travers, mais eux me touchent pas. Viewer, le masque 2. Bah du coup sur le même point, donc on met sur le layer 2 peut-être. Problème. J'enlève le 1. Faire pause. Sur on remet le 1. Ça c'est très bien. C'est particulier hein, leur système là. Il faudrait que les mobs ne puissent pas se. Je sais pas en fait. Je sais pas comment on modifie la friction des éléments aussi. En fait, y a trop d'éléments que je connais pas. Non, ça me saoule. De pas savoir, ça m'énerve. Ok. On a fait quoi? On a fait l'élément qui clignote. On a modifié un petit peu l'épée. L'écran aussi. Naze. Des bisous. Voilà. Est-ce qu'on fait un système de drop? En fait, je pense que. Après, il y a juste le sprite et l'animation qui change, donc. On fait un drop général ou. On appelle une fonction drop quelque part. Faut déjà qu'il y ait base de quelque chose.
que les fonctions fonctionnent. Et ensuite, ensuite on avise sur des trucs groupés, on optimise. Si tu optimises dès le départ, ça va prendre trop la tête. Sauf si tu sais déjà tout faire et que tu sais où est-ce que tu vas et comment le faire. Pas encore mon cas. Oh, take the match. Et on le supprime. On fait un if rand. Rand, non, pas ça, mais ça. Inférieur à modulo de 5. Modulo de 10 est inférieur à 5. En gros, ça va faire entre 0 et 9. On peut mettre 1. Ça. Tech. Tech. Print. Drop. Bon, pas. Tac. Au pire, je mets. Bah non, parce que du coup, de 11, c'est de 0 à 10. J'essaye de 1 à 10. Un drop là? Commence. Ah, c'est 50% de chance. Un seul drop là? Commence. Un seul drop là? Ah oui, mais. Je pense que. En gros, comme. Et si j'augmente. Inférieur à 10, voilà. Comme en fait le chiffre il se s'actualise pas quand tu as en fait ah non, j'ai eu deux drops là. J'ai print ça, tiens, voir ce que ça fait quand quelqu'un meurt. Voilà. Là, les trois en drop. Ok. Huit, dix. J'enlève le plus un. J'ai que de la chance de ouf. 10, 8, 10, et là c'est 9, 7, 9. Effectivement, c'est pas trop aléatoire quoi. C'est quoi ça? Un nombre entier aléatoire. 0 et machin. 32 randomize la graine. État interne du générateur du nombre aléatoire. La mise en œuvre actuelle réensemence en utilisant un nombre basé sur le temps. En gros, faut que je randomise chaque fois. Randomize. Bam. Voilà. Chaque fois qu'il prend un dégât, je dois actualiser. 9,77. Quatre, deux, un. Donc je suppose qu'il doit avoir un 0. Un. Ah.
3. Ok, donc on va remettre notre 5. Ouais, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, ou 6, 7, 8, 9, 10. On est bien. On est bien. Maintenant, on va voir si je le mets uniquement dans le ready. Pas besoin de randomize. Voilà. Est-ce que ça randomise tout? Sept, un, six. Neuf, sept. Ok. Oh, t'as 50 chance. C'est comme si je mettais en fait modulo de 1, que si c'était 0, 1 ça me dit. Alors ça sera plus simple. Non. Non, on va laisser comme ça. Ok, tac tac. J'espère juste que ça va pas en fait. Non, parce que les mobs, je sais pas comment ils seront créés, mais pour chaque mob, ça sera différent du coup. Pas mal. Drop, ça. Et en fait, comment on fait pour créer du drop? Et je sais pas, je pense pas qu'il ait besoin d'être attaché à quelque chose. On tape global globals, voilà. Et table global, c'est un node. Ok, ça on peut essayer. Pas si ça fonctionne, mais fonctionnalité plutôt. On dit quoi? Spawn drop. Spawn drop. One. Drop. Content. Et place, lieu, droit, location, location et le montant. Ensuite, on dit que en fait, on est, je sais pas. De le mettre sur quelque chose, non? C'est quoi, ressource? Alors, si je fais porte byte. Coin. Marche pas. Ok. Ready. Bah, si je suis là. Pas. Ok. Ah. Typeless export expression signed. Ok. Mais const. Ou alors c'est l'inverse, c'est sprite. Const. Coin. Va. Va.
On ready. Baba. Y a plus va. Arrête de m'embêter. Y a plus le va. Il m'embête. Prix. Prix Europe. Europe. On peut faire. Ça marche comme ça. Point height. Pas comment ça fonctionne. On va dire que ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas var. Except peut-être var. Il veut un var. Var. Et export var. Ouais, il veut le var, ok. Si je mets right bar en fait j'ai envie de bar coin. Voilà. Et comme il est à rien, oh, faut que je... Ah non. Bon. Voilà. Bar. Putain! Comment on fait pour les autres là? Export var damage égale 1. Ok. Bon, var. Et là, il manque un truc. Égal le sprite. Sprite peut-être. C'est Sprite New. Je comprends pas. Telle place export ni ce pression signée tout sur type. Const. Ah je peux pas faire comme ça. Je dis bah vas-y je mets le. Je mets mon élément dedans. Ça fonctionne mais pas trop en fait. Admettons dans viewer là. Merde. Ok. Et global, comment je le chope le global? Hop. Global. Et bon, le bal GD il sert à rien quoi. Il sert à rien. Bon, je mets ça là quoi. Non, mais spawn. Ah, spawn drop. Avec mes gros doigts, j'appuie sur toutes les touches. Ah oui, ils m'ont des trucs. Bah, du coup, c'est get local position.
position en fait. Position. Et le montant de plus Randy 2. Voilà, on fait ça. Toc. Et ça marche pas. Ça, je crois. Tac. Bloup, tac, tac. Et là, peut-être que ça fonctionne. Ça marche pas. Vas-y, je suis deg. Pourquoi ça marche pas? Faire ça. Marche ça. Passe comme ça, tac. Tac. Plus. Coin. At. Tac. Et j'enlève ça. Bon, c'est pas à l'arrache, mais c'est pas grave. Voici. Ah, ok. Pas évidemment. Un string et int opérateur. Tout string. Tac. 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 Oh. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Donc des systèmes fonctionnent tous base in. Oh. Oui. Voilà. And int opérateur plus. Ouais, il casse les couilles. Oh là là. Ouais, j'ai faut que je mange parce que. Hein? Ah, ça me paraît correct. Oh, c'est pas grave. Hop. En tout cas, la fonction fonctionne. Heureux, là, drop, et en gros, drop, et ça, on verra bien plus tard. Bon, ça me prend la tête en fait. Y a plein de trucs que j'arrive pas à savoir. On a eu deux drops. Après, on peut redonner de la vie directement. Il y a drop. Drop. Faire player. Player.... plus égal 0,5, par exemple. Je redonne un demi-cœur. Voilà. Réfléchir à des trucs. On va regarder dans notre. Ça c'est pas ça, celui-là.
Ici. Tac tac. Oups. Un peu trop peut-être. Tac. Non, c'est bien. Ok. Son désir de percer sur Twitch à travers ce jeu Kappa. Ça, c'est la modo qui a changé ça, évidemment. Viewers ont des fous, on les aime évidemment. Personnages, les viewers, on met ça, on verra ça. Les pardon. Les contrôles. Pour le moment, à la souris. Objectif du joueur. Voilà, vaincre les mini-boss, etc. Il faudrait qu'on construise les donjons. Je regarde un peu. Comment. Après, attends. Admettons, tu vas mettre en à fond. Projet. On va mettre en 1920 par 1080. Voilà. D'accord avec ça. Je lance. Voilà, on est directement sur. C'est-à-dire que, en fait, dans le projet, on quitte le truc, rétrécissement, c'est quoi? Shrink. Ouais, ah, comme ça. On lance, c'est quoi? C'est la fenêtre qui rétrécit? Ah, c'est le tout. C'est le tout. Ah, on va pas changer ça. Voilà, faut qu'on se un peu les doigts du cul. Ça suffit. Il suffit de faire n'importe. Voilà, plein écran. Ok, sans bordure. Ok. On lance le jeu. Ah ouais, mais ça lance. Lance ici. Ok. Cool, hein. Mais on va enlever le plein écran. Sorry, hein. Mais en fait, ça me met sur mon autre écran. C'est un peu chiant. Tac. Ok. Ah. Ah non, mais même sans bordure, ça fait ça. Ok. On va enlever carrément le. Et en fait, hein. Dimensionnable bien sûr. Et là c'est quoi, on descend de 1000 de chaque, peut-être pas quand même. 720 c'est quoi, c'est 300 360. C'est ça, moins 360. Voilà. Moins 360. Voilà. Là on aura une petite fenêtre. Oui. Ça fonctionne pas comme ça, en fait. Ouais, 360. On est sur 1024 normalement. Bon, voilà. Le 720, c'est du 1024. Ça me fait un truc chelou là. En plein écran. J'arrive pas à savoir si ça garde tout. Ah, on va rester comme ça. Et quand il tue quelqu'un, quand il tue un viewer, voir s'il l'accompagne. Gestion de Thomas, des trucs de sauvegarde. Apparemment, le truc de multi, c'est un peu naze. Super. Progression, nombre de follow, sub, etc. La money. Voilà, c'est un mix des deux, comme ça. Compliqué parce que c'est pas le même point de vue. Bon, faut que je trouve un autre. Qu'est-ce qu'il a dit l'autre déjà là?
Ah, flemme. Ah, en fait, il a des idées, mais poste truc. Garde-robe, boutique, et dormir, c'est bon. Prendre 2 jours de repos. Les stats, bon, c'est ce qu'on a déjà mis. Des upgrades, ça sera pour plus tard. Etc. etc. En fait, il a tout pour plus tard. Wow. Voilà, donc on a les cœurs. On a de la merde là, mais bon, c'est quoi? Jamais joué au jeu. Ouais, mais bon. On a déjà, voilà, la liste des activités. Faire dans le jeu. Donc, parcourir les donjons, gagner des follow. En mettant KO en ennemi. Et l'accompagne pendant le donjon à 5 max. Mais du coup, je pense que la zone, ça peut être intéressant. On peut créer une caméra du personnage. Game. On crée caméra. Caméra 2D. On va se mettre là. Caméra, elle est où? C'est ça la caméra? La caméra, elle va être à l'intérieur du player. Ok. Le player pour le moment. Ah, en gros, mettre le player en temps. On va le choper. Parce que je clique sur la caméra et que je la transforme en mode 0-0, c'est-à-dire que je sois pile au niveau du personnage. Maintenant. Non, on déplace ça. Ça, c'est que dalle. Ok. Que des paramètres. Ah. Rotating. Current. Ok. Zoom. Process mode. Tick. Seul. Ok. Il y a un petit smooth et tout. Pourquoi elle suit pas mon perso alors? Je suis pas mon perso. Ah, mettons. Ah, ouais. Ah, mettons, cache les murs. Ah, mais si ils sont invisibles, ça veut pas dire qu'ils sont là. Bah, ouais. Normal. Faut aller dans les murs. Et. Désactiver en fait. Le mur de droite. On le désactive. Double. C'est-à-dire que le perso peut partir. La caméra ne suit pas. Hop. Ah, j'ai. Ok. Caméra. Offset. Rotating. Rotating current. Active ça. Voilà, on est sur ça nous suit. Ok. Mais pourquoi l'interface ne suit pas? L'interface est censée être partout en fait. Ah. Ah. On active le smoothing. Pas enfin, un truc un peu smooth quand même. Ok. Par contre, notre vie elle est là-bas, c'est un peu chiant. On va mettre 2. Editor. Draw screen, ok. Draw limit, draw machin. Ok, ça c'est la marge. L'HUD, pourquoi left 000 top right, ok. Thème ok, donc pourquoi
Il veut pas se mettre. Alors je vais mettre d'ailleurs. Ok. Mais c'est qui lui? Coucou, Am Julio. Comment ça, il connaît pas? Je mets. Ouais, je suis obligé de le mettre là en fait. De le mettre au fond. Tiens. Comment il dit quoi lui? Regarde, on peut partir, mais la vie elle bouge pas. Pourquoi tu connais HTML? Parce que je suis un peu un crack en fait. Je suis un peu un crackitos. En gros, je voulais mettre une cam, mais ça me casse. Si je mets la cam sur l'interface, qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah il se passe rien quoi. Je mets la cam ici, tout simplement. Bon, après, je peux mettre la cam dans le joueur. Ok. Parce que toi, tu connais toi un peu le HTML pour coder des jeux? Ah, tu peux, mais c'est complicado, quoi. Donc, on a le viewer. La cam dans le viewer. Caméra 2D. Current. Activate. Ouais, de ouf. Bah, ouais, t'as un krakos, toi. Regarde, putain, l'interface elle suit pas, mais cœur il reste coincé là-bas. Pas mettre de caméra pour le moment. Ça me. Donc, à ses couilles. Le jeu c'est regarder une page rouge. Oh putain, nice! Et il se passe quoi en fait? Si t'arrives plus de 30 minutes d'affilée, t'as gagné. D'accord, sympa. Eh ben dis donc, il y a du. Il y a un petit délire. Hop, on réactive le mur là. Et en fait, du coup, ce que j'ai fait, entre-temps, c'est du coup, les persos, les mobs ont de la vie. Le même principe que. Avec le perso principal, quoi. Mon perso, il clignote quand il perd de la vie. Voilà. Quand tu tues, t'as un petit pourcentage de chance de récupérer de la vie. Un demi-cœur, pour être plus précis. Et voilà. Mais le délire d'attaque, j'aime pas. Et où le Weagle? C'est vrai que tu veux un Weagle, mais. Un Weagle. Donc, du coup, sur le viewer, quand il prend des dégâts, il tremble. C'est ça que tu me dis? C'est ça que tu me dis? C'est ça que tu me dis. Ok. C'est plus. Si c'est ça, tu m'avais dit. Tu m'as dit quand tu tapes, quand il tape, il tremble. Mais vas-y, c'est chiant. Take damage. En gros, je peux utiliser le même principe. Vas-y, on va faire ça hein, avant d'aller manger. Donc en fait, on crée un twin. Voilà, qu'on met dans le viewer. Qui est un nœud qui permettra de faire des animations. Qu'on a déjà fait dans le joueur ici. Ça. Tac. Retourne dans Mob. En gros. Voilà. De 1 à 3. On va créer. Déjà, on va dire que twin. Twin start. Voilà, on démarre l'animation. De 1 à 3, donc il va faire 3 fois quelque chose. Quelle va être cette chose? Donc on a notre perso avec la petite barre de vie un peu dégueulasse au-dessus, mais c'est parce que j'ai la flemme et j'ai pas fait les designs. Je sais pas trop pour le moment comment faire la globalité du truc. On va juste faire les fonctionnalités pour le moment. Donc le viewer, tu veux que quand il se prend un petit coup, tu veux qu'il fasse quoi? Que la scale elle augmente et diminue? Oui. Comme ça, mais des deux côtés? Des deux côtés ou juste un côté? Oui. Comme ça, il fait.
Bah, du coup, en fait, ça s'appelle scale. En gros, ah, la position. Tu peux modifier la position. En fait, c'est, si on change la position, après, je crois que. Ah oui, mais attends, non, il faut changer le sprite. Parce que. C'est bizarre sinon, ok. Mais le problème, c'est que si on change la position. Non. En fait, on changerait la position uniquement du sprite. Et pas de la zone de dégâts, de la collision. Collision shape. De la hitbox, quoi. Si tu veux, en termes de gamers. La hitbox, elle bougera pas. Il y a juste la position du sprite. On peut le voir ici, tu vois, si on décale le sprite, il y a le truc à côté. Donc en gros, ça s'appelle position. Sprite. En gros, on retourne ici. On chope le sprite, c'est parfait. On veut. Merde, j'arrive pas à choper les deux en même temps, c'est pas grave. On veut la position. 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 Position du sprite, donc celle de base, position. Voilà, donc en gros, on chope la position de base. Et on veut. Un nouveau vecteur, je comprends R. Oh, t'as changé de couleur, mec. Bah, c'est pas compliqué. En gros, on interpole une propriété. Donc ça va être du coup sur le sprite. On veut modifier l'image. La position. On veut modifier la position. La valeur de base. Bah, c'est la position de base. Donc on met position. C'est comme si tu mettais sprite.position. Voilà. Ensuite, ça c'est la valeur finale. Donc je ne sais pas si on peut essayer de faire ça, mais vecteur 2. Et en gros, position X, position Y. Je ne sais pas si on peut faire ça. Ça a l'air de fonctionner. Et en gros, on va ajouter. Un nombre random plus Randy rend un entier, tu vois, carrément de Randy modulo de 10. On va voir ce que ça fait. J'ai un peu peur, j'ai un peu peur, mais bon, ça va durer 0,3 secondes et on va pas mettre de délai. Voilà. Est-ce que c'est intéressant de mettre celle-ci? Je sais pas. Je pense que ça va exploser. On est prêt? Oh, il est où? Ok. Ok. C'est un peu trop. On est d'accord. C'est un peu trop. En fait, on va mettre pas Randy mais Rand F et fois 0,05. Possible ça? Modulo de 0,5? Non, ça. Ouais, c'est ça. Tac, tac. Ok. Et là. Pourquoi ils s'en vont? Ah, c'est la position. Quelque chose. Mais plus 0,1. Plus 0,1. En fait, l'idée. Ah oui, j'ai oublié la parenthèse. L'idée, c'est de dupliquer ça. Et du coup, mettre moins 0,1, moins 0,1.
Mais je comprends pas pourquoi il se met loin de bâtard. Au pire, on prend pas la po... Ah oui, mais c'est la position. Ouf, je voudrais virer ça. La position. Maintenant, c'est sur le sprite. Bah, je comprends pas en fait. Bon, bah, mais t'inquiète. En vrai, il va se décaler un petit peu là. Voilà. Il revient. Donc, on a déjà. Waouh. Zéon. Le délire, il revient. Pourquoi? C'est deux fois la même chose là. Si 0-0. On va essayer de mettre pause. Voilà, position égale combien? On va voir. On recommence. J'en ai mis qu'un là. Il va si loin. Pourquoi il va si loin? Parce que du coup, si on met 0-1, bah, il va pas très loin quoi. Il va pas très loin, c'est pour ça que je comprends pas. Une fois qu'il est ici. Ouais, je fonctionne strike position. En fait, il revient. Pas là-bas, il revient. Ok, si je fais ça. Strike point position. Là, ça devrait fonctionner un petit peu mieux. Et on va mettre 50. Ok, on est un peu des oufs. Oublie le beagle sinon. Non, ça va fonctionner, regarde. Là, il va se décaler de 50. Voilà. On est mieux là. Ok? 50, c'était de pour l'abus, tu vois, tu comprends. T'as capté. Tac. Tac, tac. Voilà. Bon, en fait, c'est parce que j'ai pris la position globale du personnage et non pas la position du sprite. Donc en fait. Il faut que je mette genre 5, tu vois, 10 fois moins. 5, 5. Ensuite, je lui mets du moins 5, moins 5. Et ensuite, je lui mets du 0, 0. Je le remets à la position de base. Et du coup, comme on a dit que la latence était du 0, 3, 0, 3, et là, 0, 6. Regarde. Pas assez rapide. Pas assez rapide. On va faire un truc. On va l'appeler var bah const beagle offset. Ok. On va le mettre de l'offset, je sais pas moi. 5 const beagle duration 0,1. Après les const, c'est genre en majuscule. Donc on va mettre en majuscule beagle offset. Voilà. Beagle duration. Voilà. Comme ça. On va mettre là. La duration, c'est ça. Tac. Gueule duration. Gueule duration. Gueule duration. Là, ça sera gueule duration. Et là, gueule duration fois 2. Pour attendre deux fois. Là, t'attends pas. T'attends une fois. T'attends deux fois. Voilà. En fait, là, ça va être. Au lieu de 5, ça va être. Gueule. Offset. Voilà, comme ça on aura juste à modifier nos petites variables. Ça sera beaucoup plus simple.
Voilà. Call of Duty 5, ouais, ça n'existe pas. Voilà. Donc on a dit qu'on avait mis 0-1. On va voir ce que ça fait. Ça tremble, ça tremble. Regarde. Eh, c'est pas bien ça? Putain, trop bien. Voilà, let's go! Bugle, bugle, bugle. Putain, trop bien. Comme dit Jason, exact. Et voilà. Bah alors, il est pas bien mon bugle là? Trop bien. Après, on peut le faire. On peut le faire trembler, trembler à max, hein, juste pour le fun. Pour le fun. Clean. Clean à max. Ah bah oui, mais attends. Ah, ça marche pas comme ça. En gros, si je veux l'augmenter à max, faut que la duration, donc c'est l'écart, faut que ce soit le nombre. Fois i fois i divisé par 10. Non. Fois 0 point 1. Et là, ça sera 0,2. I plus... Non, 0,2. On va tester un autre truc. En gros, c'est pour qu'il tremble à l'infini, mais ça a pas l'air de fonctionner. La duration même. Parce qu'en gros, on monte jusqu'à 10. Ok? On monte jusqu'à 10. Ça veut dire que ça fait 10 fois ça. Donc le premier, c'est 0. En gros, ça fait fois 0. Ça fait 0. Fois 0,1, donc ça fait 0. Oh, ça va pas. Fois machin. Ensuite, ça fait 1. Donc ça fait. Plus 0, 1, etc. etc. Ok, c'est pas mal là. Voilà, c'est bien ça. Voilà, c'est peut-être un peu trop. T'as capté, mais le délire est là, quoi. On est sur quelque chose de rigolo. Tion. Quand t'as froid, j'ai tué tout le monde. Ok, on va remettre 3, c'était très bien 3. 3, c'était très bien. Tant que ça merde pas. Si ça merde un peu. Quoi? Ça fait bizarre. Tu sais quoi? On va pas s'embêter. On va laisser là. Là et fois 2. Si on veut modifier. Non, x2, wow, il est fou lui. C'était pour le fun, mais on va laisser comme ça. Très bien. Problème là. Pas de problème, c'était comme ça avant. Ah, ça me convient moi. Voilà. Pas drop les bâtards. Ok. Alors t'en penses quoi? Pas mal hein? J'ai un petit truc ou pas, mais c'est bien là. Ok, nice. Bah, je suis content.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut que il y a un pourcentage de chances se rejoignent. Tu vois, les gars. Donc quand il prend des dégâts, il meurt. S'il meurt, déjà on le supprime. S'il a plus de vie, on le supprime. Sauf si. On peut l'envoyer dans une autre fonction. On verra bien. En gros, il nous faut un truc de ce genre-là. Si. Si. Il a. En fait, ça fait un chiffre random entre 1 et 10. Et si c'est inférieur ou égal à 3, alors print le viewer le nom, je sais pas, on s'en fout. Vient de te follow. Voilà. On va juste faire ça. Voir si on a un petit peu de chance. Ok, ils m'ont pas drop, mais le joueur vient de me follow. Ok. Il y en a un qui m'a follow. Ça veut dire. En gros, faudrait mettre un truc qui s'appelle. Quoi, tac. Ah. Type. Ou alors follow. Un truc. Par. Par is following. Par is follow. Oh. Par is follow de base c'est faux, voilà, et ensuite si il vient de te follow alors is follow égale true, voilà, et ensuite on dit que dans son truc là. If follow, bien. Follow, alors quoi? Et on fait ça. S'il n'est pas follow, alors tout ça. Bang. Sinon, on met pas de sinon pour le moment. Voilà. S'il n'est pas follow, il nous suit. Et une fois qu'il est follow, c'est bon. Et on fait quoi? Ça marche, return. Ça, on skip ça. Voilà. Tac, tac. Ok. Pour augmenter la chance de qu'ils me suivent, on va le mettre à 8. Ok. Là, je l'ai tué quand même. Est-ce que ok. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il y a un mec qui vient de me follow. Voilà, c'est lui qui m'a follow. Donc, il arrête de me suivre. Ah oui, mais attends, il faut qu'il. C'est si il a plus de vie. Ok.
Du coup, là, il lui reste combien de PV? Merde, j'ai quitté. Là, ils m'ont tous follow d'un coup, là. Mais ils sont censés être morts. Du coup, je sais quoi, je leur redonne de la vie. Ils se battent avec moi et s'ils ont plus. Il faut le trou et voilà la vie égale max vie. Voilà, ils reviennent full vie. Ok. Perm. Perm. Ils peuvent mourir quand même. Il est indestructible. Oui, on vient de te follow. Ok. Oh, Max, Max machin. Et faudrait qu'il devienne. Ok, on va faire ça, tac tac. Faudrait qu'il. Merde. Tac. Quoi c'est? Ah, t'as pas le bruit. Right. C'est quoi ces couleurs? Right. Safe modulate. Et on le fait devenir tout vert. C'est un peu. Ouh, ouais, c'est bien. C'est quoi ce truc? Safe modulate. Ok. Et modulate, c'est quoi? Pareil. Ok. Ok, donc on va changer son safe modulate. Mais c'est quoi comme truc? La couleur appliquée aux textures sur ce canva item, ce n'est pas hérité. Il sera pas hérité pour les trucs. C'est-à-dire que si je fais ici, dans visibilité modulate. Même la barre de. Elle change quoi. Ok. C'est pas ce qu'on veut, nous. Pas ce qu'on veut, du coup, on met quoi? Roll sprite. Ah merde. Je me foire. Donc le sprite, ça s'appelle self modulate. Self-modulate, la couleur de base. Et là, on doit mettre une couleur qui va être du, je sais pas moi. Faire ça. Quelle couleur ça peut être? Faire comme ça. Faire un peu moche, mais c'est pas grave. Tac, parfait. Pour oui, c'est quoi? Parce qu'instant, hein. 0,03. Voilà. In out. Simplement. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? En gros. Pourquoi ils sont déjà verts? Pourquoi ils sont déjà tout verts? J'ai pas changé? Voilà. Ok. Ok. À cause de ton charisme. Ouais, bah j'imagine, hein. Pourquoi il est pas vert, lui? Marche pas? Hop, 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 hop. Parce que t'es moche. Ah! Bon, ça, c'est paradoxal un peu. Ok. Safe modulate. Et en fait, je pense que c'est la couleur là qui fonctionne pas. Safe modulate par défaut. Color, machin, truc. La couleur appliquée aux textures de ce camionnet. Ok. Donc en gros, qu'est-ce qu'il faut? Mettre une couleur.
couleur, comment ça se présente? On peut pas mettre l'hexadécimal. Color from string, c'est assez chiant. Relatif à chaque viewer. De quoi? Pas capté là. J'étais trop focus dans ce que je lisais mais que je comprenais pas. Et on met une constante, hein. On met à quoi? Vas-y, on va être à quoi? Donc, peur quand il dead, il devient à quoi? Alors, c'est un truc color. Color point à quoi? Ça, bang, 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 bang. Ok. C'est où? Voilà. Pips, pips. Et les trois m'ont follow. Après, j'ai 80% de chance. Donc, voilà. Et si, je peux le tuer? En fait, il faudrait que. Je peux pas le tuer. Parce que je comprends pas pourquoi il arrive à mourir en fait. Même si je le tue à l'infini. Parce que logiquement. Donc si la vie est inférieure à 0 et qu'il faut le pas. Alors on a fait ça, du coup c'est mieux comme ça. Bang, bang, bang. Voilà. Ok. Ok. Il faut aussi. Maintenant je pourrais ne pas les tuer. Ouais, je comprends pas. Faut que j'affiche leur vie par-dessus pour voir. Ok Jules, autre question, on va le mettre dans le doc. Mettre dans le doc, activité, bonus, question, style artistique, musique, ennemi boss. Je sais plus où est-ce qu'on va le mettre. Mais comment fonctionne les attaques en gros? Parce que moi j'aimais bien ce principe-là. Là. J'aimais bien ce principe d'attaque. Pas forcément avec les trucs à distance, quand il va montrer l'épée. Mais tu vois, en gros, ça suit son curseur. Et en gros, ça fait une attaque 180 degrés devant lui. Bon, ça c'est nul, moi je veux l'épée. L'épée, elle est mieux. Voilà, tu vois. Ouais. Ouais, quoi. En gros, j'aime bien. Mais si on est parti sur le délire. Sur le délire de. Tu sais, d'un peu de. Comment ça s'appelle? Binding of Isaac. C'est que dans quatre directions. Du coup, je me suis dit. On peut quand même avoir un délire du genre. Mais en fonction de ta direction. Ta attaque. Au lieu de suivre ta souris. Ça suit dans ta direction. Et comme ça, ça permettrait aussi de, si on le met sur mobile après, de juste avoir une touche d'attaquer et pas d'être là sur ton truc et à. En vrai, on pourrait faire un joystick aussi qui quand tu appuies dessus, la direction où tu tapes. Mais en gros, j'aime bien le principe. Et tu sais, c'est l'animation, elle est sympa, etc. Bon, après les coffres, on verra ça plus tard. Hein. Pas le moment. Ensuite, voilà, il custom un perso. Moi, j'arrive pas à faire ça. Je suis un gros noob. Et tu vois, lui, il passe à travers les ennemis. Et c'est pas mal. Et j'aime bien le principe aussi de. Dans une map. Et tu te balades, tu vois. On peut avoir un mix des deux. Je sais pas si ça peut être intéressant. Voilà. Soit on reste dans une salle et à chaque fois si tu vas prendre la porte de gauche, tac, ça te décale la nouvelle salle.
transition, peu importe. Mais t'arrives dans une autre salle en 16/9, tu vois ce que je veux dire? Tu fais tes petits boss, machin, une fois que t'as battu le boss ou les ennemis, bah, tu peux passer à la salle suivante. Jusqu'à trouver bah, des salles peut-être secrètes, ou alors, je sais pas, l'escalier qui te permet d'arriver au truc supérieur. Sur mobile, ça serait en horizontal. Ouais. Ouais, je pense. Je pense parce que sinon ton écran il sera tout petit. Ou alors la salle est, au lieu d'être elle est dans l'autre sens quoi, mais bon. Au lieu d'être en paysage, elle est en portrait, mais un peu space. Bah, l'écran change pas de taille, what the fuck. L'écran change pas de taille, what the fuck. Pourquoi what the fuck? Qu'est-ce qui... En gros, c'est soit on est en mode aventure comme ça dans une petite zone et tu changes de zone, soit on est dans une zone bah, dans une salle où en horizontal, vertical, c'est le même écran. Bah oui, mais je veux dire, ton perso, il va être Non, la largeur, ça sera pas la même. C'est les mêmes proportions, mais c'est pas le même. Si tu joues sur PC et que t'as un truc comme ça, et que les portes au-dessus, en dessous, ils sont comme ça, que tu rotates sur ton tel, admettons que t'es au même endroit, bah, ça inverse les proportions. À voir. Pour le moment, on va déjà essayer de le sortir sur PC. Et ensuite, on essaiera de le mettre sur sur mobile. Là, j'arrive pas à écrire. Je lance un truc. En soit, on réfléchira à ça plus tard. Là, la question de base pour essayer d'avancer dans le principe même du jeu, c'est l'attaque. Pour avoir un truc, comment on fait, tu vois? Parce que j'aime bien comment. Bon, là, il montre les petits bugs de son développement. Allez, là, attaque, tu veux voir comment ça se passe. Voilà, lui, il a un truc qui part, l'épée part bien en arrière et tout. Vas-y, je sais pas, ça me saoule. Comment tu verrais l'attaque en fait? On pourra avoir plusieurs types d'attaques, je pense, mais pour le moment, juste un truc de mêlée. C'est mieux quand c'est dans la direction où tu vas. Love. Des skins d'attaque. Ouais, j'avais pensé à ça. Quand je regardais le gameplay de Bank of Isaac, genre, je me suis dit, vas-y, du coup, il lance des larmes, du coup. Je me suis dit, vas-y, ça va être trop drôle de lancer des petits cœurs. Love, comme ça. Après, je me suis dit, c'est pas forcément du love, ça peut être des émotions. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on balance des emojis random. C'est pas fou. Mais du coup, on peut quand même avoir des petits skins en mode. Ton épée, je sais pas, c'est. Un cœur. Tu sais, j'allais dire les skins à la Saints Row, mais ils sont vénères, les skins à la Saints Row. Et voilà. Ok, du coup, un délire comme ça d'attaque, mais dans la direction où tu vas. Ça me va. Il faut un petit skin. J'ai jamais joué à Saints Row. Ouais, mais t'as déjà vu, non? T'as jamais vu genre Fanta et Bob y jouer sur les Saints Row de l'époque? Aïe aïe aïe, dommage. Bonjour, un petit banana spike. Un petit cake à la banane.
Alors, on va déjà essayer de modifier un peu le terrain. En gros, j'ai modifié. Putain, c'est archi sec. Qu'est-ce que j'ai modifié? En gros, la vue. Je l'ai mis en. Ouais, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Admettons, on est sur du 1080. Mais c'est bien ça, on est d'accord, la résolution du 720. C'est censé être du 16 neuvième. Comment ça, c'est pas ça? C'est 720 par quoi? 1080? 1280, c'est ça, merde. Mais c'est quoi 1024? C'est 480? C'est quoi 1024 alors? Je me disais bien, il y a un. Ah, putain, ça me cassait les couilles de pas trouver. Ah bah voilà, on est mieux là. On est mieux. Hop là. C'est sur un écran 4 tiers ta résolution. Truc d'avant. 1024, c'est sur un 4 tiers. Mais j'ai pas de 4 tiers moi. J'ai vu ça où 1024 moi. Ok, donc là on est bien. Donc là on est bien, on peut remettre nos murs et on voit bien qu'on n'est plus du tout dans le bon truc. Donc on va retourner dans notre donjon. En fait, on va tout simplement décaler. Voilà. En fait, flemme, la tilemap, je vais l'enlever. On refera un truc comme il faut après. Mais il nous faut un truc qui correspond. Bah, à la zone de pixels quoi. Tac. Normalement, je peux. Il y a la grille là. Ouais, c'est pire. Alors, moi, je veux juste. Ah, ouais. En pire. Tac. Là, ici, ça doit aller où? Pause. Tac. Voilà, on a notre petite zone. On peut mettre. En fait, si on prend la time map, on peut essayer de reconstruire des trucs là, mais. Tac, 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 tac. Tac. C'est pas si on si c'est grave si on déborde, c'est chiant. Et tu vois, faudra faire un truc comme ça, mais mieux, parce que là, c'est pas. Pas fou, quoi. C'est pas dingue. En soit. Tac, comme ça, on a un petit fond. Voilà, on n'a plus les murs. Mais au moins, on est sur un truc un peu plus clean, entre guillemets. Ah, mais les trois sont. Et en fait, il faudra faire un truc procédural, mais je sais pas trop comment faire. Non, je sais pas trop. Je veux changer ça pour avoir une sprite de DP. Ok? Donc si on tape. Bah, j'ai peur de si je tape épée du love. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est qui eux? Fight. Love Sword. J'ai peur, j'ai peur. Non, c'est bon. Image, j'ai peur, j'ai peur. Non, c'est bon. Ah si, c'est bien, c'est un truc archi. Archi vénère. Two hand sword. Non, on veut une épée, une main. Y a pas d'épée du love, n'existe pas les épées du love. Au pire, je prends une épée en diamant, c'est pas mal ça. Ouais, y en a des bizarres, hein. Y en a des bizarres. Master Sword, vous prenez un truc archi quali? Prends quoi en vrai? Non.
Étoile sur Photoshop. Vas-y, flemme. Est-ce que je peux la faire là-dessus? Tu veux dire ça, Photoshop? C'est ça, non? Alors, tac, tac, tac. Un pixel. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok, nice. Merde, par Gwyn. Alors. Épée du Love, elle ressemble à quoi l'épée du Love? L'épée du Love, elle va être en mode. Mode rouge et noir, tu vois. Déjà, on va faire un truc comme ça. Voilà, ça c'est l'épée. Tac. Un petit protection. Protection. Comme ça. Et hop là. Voilà. Ensuite, on a dit qu'elle était rouge. Elle est rouge dedans. Y a pas de love là, y a que du love. Et attends, j'ai pas fini. Et en fait, on va mettre ça dedans. On va mettre des petits cœurs comme ça. C'est trop dur. Voilà, c'est bien ça. Ça, c'est l'épée du love. Eh, hey, je suis sur un canapé avec une petite souris comme ça. C'est un ouf, toi. Ça, c'est pas bien, ça? Ça, c'est pas bien. Comment ça, c'est pas bien? C'est archi bien. Attends, j'essaye, FDR. Vas-y. Envoyez sur Discord si jamais vous avez des inspi, des pulsions comme ça. Pas de trucs malsains, bien évidemment. On peut partir même sur un dégradé. Ah non. On est sur une couleur mat brillant. Waouh, on pouvait mettre une peinture brillante. Est-ce qu'il y a un système de calque? Ah. Non. Vas-y, forme 2D. Ah, j'aurais pu me faire des formes. Ok, c'est pas grave. Tac. Mets ça ici, comme ça. Enfin, ça, on va le sélectionner déjà. Sélectionner ça, et on va le décaler. Voilà. Donc, notre forme là. Merde. Notre forme ici. Voilà. Ça, c'est un début d'épée. Passer en 3D. Non, on va pas faire une forme en 3D. On est un peu en mode pixel, tu vois. Là, on a des petits cœurs. On peut faire un petit cœur à la base. Voilà, je pense que c'est pas mal. C'est un peu bizarre, mais c'est pas mal. Et voilà, il y a un genre de rectangle en fait ici. Merde. Pas sectionner mon rectangle. Voilà. Un genre de truc comme ça. Parfait. Donc lui là. Ensuite, pinceau. On va compléter. Comme ça. Non! Voilà. Ça, ce sera pour la poignée. Et du rouge bling bling comme ça. Attends, j'ai pas accès à Discord. Voilà. Si jamais vous envoyez des dingueries, envoyez-les dans, je pense, jeux vidéo, hein, c'est bien. Ou art, art. Ah oui, dans art. Le Discord, salon art. Voilà, on a un truc comme ça. On peut même effacer ça là. Les traits ici, on s'en fiche un peu. Voilà, et on re-remplit de ça.
Voilà. J'ai un peu le seum du coup. Ah. Ensuite, on a re des petits cœurs. Vas-y, on dirait une montre chelou là. Et on va faire des petits cœurs dedans. Au pinceau. Oh, c'est un épaisseur de bâtard ça. Attends, mais je fais la même là. C'est vrai? On est trop connecté en fait. Vas-y, il est dégueu. Et je fais autre chose, je fais autre chose. Je fais autre chose. Tac, on va diminuer ça. On va diminuer ça. Je vais tenter autre chose. Tenter autre chose. En gros, dans les formes. Oh, il y a des effets, c'est quoi? Waouh, effet holographique, on s'en fout. Forme. Après, on a un cœur. En gros, on va faire. Le cœur, ça sera l'épée. L'épée un peu vénère pointue, tu vois, mais c'est pas grave. Comme ça. On la rotate. Tac. Voilà. Ensuite, on se prend un autre cœur. On se fait un truc. Un truc comme ça. Tac. Et ensuite, on peut les remplir. Remplir. Rose. Voilà. Ensuite, on prend ça. Et on le met ici. Faut le mettre. Faut le passer derrière. Comment on fait pour passer derrière? Y a pas un système de calque dans ce truc là? Putain, c'est de la merde! C'est nul! On va mettre en noir. En rouge. Voilà. Et puis c'est pas mal. Et là-dedans, on va mettre en rose aussi. Mais en métal terni. Voilà. Je spam clic, comme ça on a un truc un peu. Non, je vais annuler tout ce que j'ai fait. Voilà. En métal terni, quoique on peut avoir un truc. Non, rose c'est pas mal. On aurait une couleur plus magenta comme ça. Voilà, et dessiner des petits cœurs par-dessus. Et dessiner des petits cœurs. Cœur, mais tout fin, c'est trop épais ça. Voilà. Tac. Voilà, un autre. Tac. Duplique. On met au-dessus. Du taille. Tac, encore un autre. Que c'est ça? Non! Non! Revenez! Fuck. Quoi? Ok. Là, on va faire un autre truc. Petit cœur plus petit, on a dit. Voilà. Et encore un petit. Voilà. C'est pas beau. Ok, rogné. On va garder tout, je pense. On va garder tout. Si je rentre, je pourrais annuler après. J'ai un peu peur en fait. On va l'enregistrer déjà. On va l'enregistrer où? Dans les assets. Live asset. Love Sword.
Voilà. Ensuite. Tac. Est-ce que ça va mettre de la transparence ou pas? Je sais pas. Enregistre ça. Enregistrer sous. Image. L'offshore de. Merde. L'offshore 2. L'offshore 1. Ok. J'annule. Je run les autres épées. Et j'attends. On va mettre ça en petit. Tac, 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 tac. On va récupérer ça. Tac, 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 tac. Ah non, mais du coup, elle est moche maintenant. Triste. C'est pas grave. En vrai, celle-là, elle est très drôle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On run. L'autre, en vrai, elle est pas belle. L'autre, en vrai, je suis un peu le seum. Celle-là, elle est plus drôle. Voilà. On enregistre ça sous image. Et ça va être. Putain, pourquoi ça veut pas. Tac, l'épée 2, voilà. Ensuite. Il faut quoi? Quoi, Steam? Il y a une mise à jour Steam? Mais non. Non, c'est ici. En gros, les assets. Putain, mais oui, mais c'est pas parti. Il y aura un gros carré blanc, ça me saoule. Si je joue avec Photoshop, ça va être casse-couille aussi, ça. Putain. Ouvrir avec Photoshop, tant pis. Tant pis. Et. J'espère que ça va pas que ça va pas tout exploser. Voilà. Ok. Est-ce que Jules, tu as eu un. Tu as réussi à faire quelque chose? Allez, quelle heure? Ça fait combien de temps que je stream? 3 heures. Oh putain, je vais m'arrêter. Au manche MDR, mais tu vas faire un truc de fou furieux. N'oublie pas qu'on est sur du semi pixel art quoi, du gros pixel art détaillé quoi. Et oh merde, qu'est-ce que j'ai fait? Tac. Ah oui, il faut que ça je peux le supprimer facile. Ensuite, je run. Je fais du pixel art, j'en ai jamais fait. Ah ouais. En vrai, c'est un peu dur quand même. Un peu beaucoup même. Après mon épée à moi là, le bout tout pointu, c'est chiant. C'est un peu vénère pour une arme de love, tu vois. La sorte PNG, hop, j'enregistre ça. Parfait. Parce qu'attends, si je te dis la résolution du perso. Et je crois que la résolution du perso elle est chiante. On va te le dire en pixels. C'est où? 7? Perso là, il est un peu débile. Mais du 50 de hauteur. 50 pixels de haut. Et 32 de large. Ouais, 32 par 32, c'est bien. Bien, c'est les persos, ils seront un peu plus hauts, mais 32 pour des items, c'est pas mal. Faudra des tilesets aussi. Tilemap surtout. Pour essayer de faire un truc un peu ok. Bon, sans. Alors.
Je stoppe ça. Je live. Je asset. Et je balance mon épée ici. On va avoir un petit chargement là. Et ici, je pourrais. Et prendre ça. Oh! Ok. Transforme. Escape. 0. Un peu fat. Un peu fat. Tibidibidibidibidibidib. Merde, j'ai plus au contrôle. Elle est pas bien du tout. Elle m'énerve. Vas-y, ça me saoule. Bah. Peut-être on est pas mal. Quand il est où le point? Là? Mais non. Sim. C'est-à-dire que je dois encore augmenter en 200. Moins 400. Moins 500. Tac. Ça va être un peu fat, hein, je pense. Un peu beaucoup trop. Bon. Bidoum. Voilà. Ici. Voilà. Donc, d'ailleurs, un pape chelou. Ok. Et en gros, la collision tape, bah, pas du tout là. Hop, tac, tape. La mettre. La mettre comme ça. Est-ce qu'on dit que c'est un rectangle ou c'est un triangle? Vas-y, on va reset, on va dire c'est un triangle. Il n'y a pas de triangle. Capsule. Putain, c'est quoi qui me quitte tout le temps? Voilà, je ferme ça. Je ferme mon paint. Voilà. Pas enregistré. Parfait. Donc, nous on veut une forme convexe polygone. Cette merde. On va changer. Il n'y a pas de triangle, genre. Capsule. Ça peut être sympa. Capsule. Merde, je voulais pas la déplacer. Ah voilà, on n'est pas trop mal là. La pointe touchée, de toute façon on aura un nouveau truc. Quoi? Mais non. Quoi, ça m'a mis ici? Oh non, je dois tout refaire, je suis sur le viewer. Si. Non, ça. Oh quoi, ça a pas enregistré? C'est quoi cette merde? Il faut que j'attaque aussi dans le sens de. Et là, normalement. Non, il meurt pas. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non. Rien à aduler? Sérieux là? Sword. C'est ça ma sword. Voilà, si je module.
Pourquoi ma sword elle est petite comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est cette merde? On peut pas voir. Bizarre. Ok, putain, lui. Visage. Sword, ça c'est ma sword, ok? Regarde la sword. Ok, viewer. Viewer, tu n'es pas ça, viewer. Viewer, tu es ça. Texture rapide, tone. Ok, il a totalement pété les plombs. Merde. Bon, en vrai, je dois m'arrêter là parce que je dois taf un peu. Ou alors, je dis que vas-y, pour mon jour de repos, puis c'est bon. Ok, non. T'en sors ou pas? Ah, tu l'as publié? Oh, c'est tout petit. Open original. Oh merde, ça m'a ouvert ce truc. C'est sympa, j'aime bien. J'aime bien, c'est du 32 par 32, ça, impossible. C'est ma mon épée. En vrai, elle est pas mal, hein. Save image. Vas-y, on va la mettre là-dedans. On va la mettre direct dans le jeu. Jeu live, jeu asset. Épée love, enregistré. Mais moi, il a pété les plombs, mon truc là. F5 pour rafraîchir tout. Ah non, F5, ça lance le jeu. Okay. Mon épée, elle a l'air pas mal. Et je crois que mon truc, il a pété les plombs. Là. Bon, péter les plombs. Et ça, c'est censé être le. Ah, et je sais pas pourquoi il fait ça. Je sais pas pourquoi il fait ça. En tout cas, Sword. Talent caché en pixel art? T'as un talent. Ouais. Possible. Elle est où? Ah, mais gros, mais tu l'as mis en JPEG là. C'est un point stex. C'est quoi cette merde? C'est quoi ton truc là? Qu'est-ce que tu m'as fait? PNG, mais. C'est peine, c'est nul. Ah ouais, mais non, mais vire-moi le fond! Ou tu vires le fond! Pourquoi 32 c'est. L'épée va être miniature, hein. Comment on fait sur Paint? Tu peux pas. Tu passes par Photoshop. Eh ouais, RIP. Ou alors tu vas sur I Love PNG ou des conneries du genre, tu vois. T'as la com sur Paint, mais ça fait que de la merde. Bon, attends, je vais redémarrer le truc. Vas-y, j'enregistre, YOLO. Faut que je relance parce que le truc est totalement buggé. Ouais, Creative Cloud ouvert. Siège. Jeu live. De quoi? Oh merde, t'as tout supprimé? C'est vrai que mon abonnement au Photoshop a expiré. Ah fuck. Ça c'est un peu relou quoi. Donc ça c'est nos persos, ok. Player, ok. World, ok. On change. Mais vas-y, mais je viens de couper Photoshop en plus moi. Mais t'as des logiciels en ligne qui te virent le fond.
Ah, c'est chiant. Admettons en oh mais la sprite en fait il y a tout dedans. Tac. Et voilà quoi. Bon, collision. Tac. C'est un truc fort. Voilà, c'est très bien ça. Parfait. Maintenant, ta sword, on va la mettre au milieu là. Attention. Elle est partie où? Ah oui! Offset, on va diminuer. Moins 40. Peut-être plus. Dis quand t'as renvoyé l'image, parce que là, c'est un peu chiant. Voilà, ok, admettons, on a ça sur le crâne. What the fuck? Pourquoi il me. Qu'est-ce qui se passe là? La collision de l'épée, elle est même plus là. Elle est partie là-haut. Transforme. Hop. Voilà. En vrai, je comprends pas pourquoi là ça fonctionne et l'autre non. Voilà quoi, et j'ai. Putain, pourquoi? Pourquoi? Mais what the fuck? Voilà, on dit que l'icône de PNG, c'est ça. Quoi? Ça doit être donc. Elle ne peut pas donc être modifiable. Et il faut un. C'est bon? Nice. T'as déjà remarqué que 3 lettres sur 4 sont les mêmes. Quoi? Qu'est-ce que tu parles avec une, toi? Trois lettres sur 4 sont les mêmes. Toujours des trucs bizarres. A7 et love. Yes. Voilà. Et 3 sur 4 sont les mêmes. Oui, c'est vrai. C'est bien vrai ça. Et en fait, épée, voilà. Donc, la sword, on va la changer. On va mettre. Ou alors il faut que je. Faites ça. Enable. Ok, je m'en fous. Je la réimporte, mais elle est déjà réimportée. Ah bah voilà. Est-ce que ça change là? Non, pourquoi? Pourquoi? Putain de merde! Impossible de définir. A7. Elle est là. Voilà. Et c'est ça. Bateau avec un viewer à la main, MDR. Mais c'est pareil, c'est. Comment j'anime ça? Est-ce que. Est-ce que j'enlève les bras de mon perso, ou du moins les mains? Et je mets juste un carré. Un carré de la même couleur qui tape, tu vois, qui. Je clique, ça sort du corps. Ça peut être sympa. Regarde comment ma hitbox est parfaite.
J'avoue, ça cale bien. Mais le problème que j'ai là, c'est tout autre chose. Arrêtons, je sauvegarde. Ok. Là, il me dit, les Gugus, c'est des épées. Ok. Admettons. Et quand je lance le jeu, c'est plus des épées. Comment c'est possible ça? Perms. Comment c'est possible? Viewer. Viewer, c'est marqué. Marqué, c'est pas marqué. J'ai déjà relancé. En fait, je crois que j'ai merdé en modifiant une texture. Ah, c'est censé être icône là. Mais l'icône, c'est ça. Elle est où mon icône? C'est illogique. Crée un viewer. Crée un mob nul, genre. Ok. En fait, il est là. Admettons, je regarde ça. Ok. Ça, c'est pour le viewer. On a un truc de base. En fait, icône. Voilà. Un pixel. Pixel, pareil, 32 sur 32. Ou 50. 50 sur 32. C'est vers un truc. Il sera la même taille que le perso. En fait, il faut que je recompte 64 par 32. En vrai, oui, ça serait plus logique. Mais je sais pas comment ils ont fait leur truc. Mais tu sais, l'image qu'on s'inspire de ça là, admettons ça là, ce perso là, il fait du 50, trop trop particulier. Après, peut-être qu'avec le chapeau, il fait un peu plus. Et c'est trop particulier. Tu vois, il fait 50 sur 30, je sais pas quoi, 32 sûrement. Que je t'envoie l'image. Non, mais c'est trop dur. Bah, c'est dur. Allez, je t'envoie l'image. Tiens, démerde-toi avec ça. Eh, c'est le style là que vous avez choisi. Hein. C'est le style là que vous avez choisi. Ah, c'est oui, c'est bien, il faut faire ça. Bâtard, va. Bah. Ça galère maintenant. Hein. Ouh, Massword. C'est chargé 7. Et du love. Ouais, détends-vous, hein. Détends-vous, hein. Attends, si je me remets l'image. Mais prends pas celui-là, attends, j'en avais vu un autre. Prends lui là. Prends lui. Tac. Voilà, trouve-le dans l'écran. Je sais pas comment faire sans Photoshop. Mais tu vas sur des. Sur d'autres trucs là. Pixel Mash. J'en avais trouvé un autre là, peut-être. Libre sprite, on peut faire des trucs de sprite aussi. Piscale, pardon. Piscale, tu peux importer ton truc et tu peux dessiner comme tu veux, etc. Faire pas mal de trucs. Je pense que tu peux effacer. Oh, c'est trop bien ça, par contre. Voilà. Piscale app. On l'envoie aussi? On l'envoie aussi, let's go. Tac. Alors. Ouais, faudrait que j'aille manger. Hein. Pas tout, les gars, mais moi j'ai faim. Enfin, j'ai pas faim en fait. Mais faut que j'aille manger, ça fait longtemps que je stream. Voilà, donc si on retourne dans le game. Voilà, ça a l'air d'être ok. Oh, ça fonctionne. Donc là, on a notre petite épée. Fait un certain truc, mais j'aime pas l'animation. Donc ça passe. Tang, tang, tang.
me débrouille aussi, mais. Et... Bon, mais chef, j'ai pas envie de faire. Ça va être trop drôle, mais ça va être casse-couille. Si je l'implémente tout de suite, ça va être casse-couille. Ok, admettons. Admettons, on a l'épée. Mais faut pas qu'elle reste au-dessus de nous. Faudrait qu'elle disparaisse en fait. Déjà, on va corriger l'animation. Pas beaucoup. Hop, tac. Truc. Donc l'attaque. Tac, 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 tac. Transexpo is in out. Out. Donc en fait, on va faire rien. In out. On va voir ce que ça dit. Et la duration, on risque de la diminuer parce que c'est un peu lent, je trouve. Non, c'est pire. C'est pire. On est obligé de mettre is. Is out in. L'inverse. Non. Is out. Ou alors là c'est 30 élastiques là, je sais plus quoi. Bounce élastique. On a un délire avec l'élastique mais c'est pas ding ding. Hop là je les attaque derrière. Hop hop allez venez venez venez. Ping 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 ping. S'appuyer, ça reste en bas en fait. C'est chiant. Ah, je sais pas du tout comment faire pour l'animer l'épée et ça commence à me saouler. Pétrance expo linéaire quoi quint ça va ça ça va mais bon. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a notre petite épée, on a les mobs. On va faire de l'animation, mais ça prend du temps de ouf. Je ne sais pas faire donc. On va faire l'orientation de l'attaque déjà. Si on est. Faudrait dire que. On va faire une simulation. Hop, déjà on va aller. Tac, tac. Voilà. Si on va vers la droite, l'épée, faudrait qu'elle soit. Faudrait qu'elle soit où? Au milieu? Qu'elle soit au milieu et si on se retourne de l'autre côté, elle est de l'autre côté. Et on va vers le bas, l'épée vers le bas. Si elle est vers le haut, on va vers le haut. Ça fait tac tac. On peut tester ça. Oh la sword. On va la rotate directement. 90. Voilà. Comme ça, quand on lance, elle est ici, quoi. Sauf que on la remet à 0 dès le départ. Parce que voilà. Donc en fait, si ici,
La Sword, on annule ça. Et c'est ici qu'on met la Sword à 90 degrés. Est-ce que ça change quelque chose? Absolument pas. Ok. En fait, c'est dans le script de la Sword. Je vais dire. Peut dire attaque et side. Voilà. On va avoir un problème. Pas accéder à l'attaque. D'ailleurs, ok. Oh, si il appuie sur attaque, sort attaque. Et du coup, en gros, faudrait choper. L'angle. Le dernier truc. Comment on peut faire? J'envoie juste la velocity. Tiens. Et je chope. Chope la vélocité. Que le côté déjà attends. On verra plus tard. Là pour l'épée, on clique. Faut qu'elle soit de base. Elle arrive. On va. Enfin, voir dans les raccourcis. On va désactiver ça. Voilà. Et on va désactiver ça. Mettre ça. On dit que elle est à 90 degrés. Elle va à 0. Ok. Tac tac tac. Super. Ensuite, on duplique. De 0, elle va à 180. 180. Elle revient à 90. La latence, ça va être la duration. Duration. Hop. La duration fois 2. On va tester ça déjà. Hop les. To function attack in base sprite accessible un argument. Ok, ici ça nécessite un argument. Bah, ça va être velocity. Pour le moment, ça va être ça. Tac, tac. Ça revient instant en fait. Et j'aime pas la manière dont. Je peux juste faire pink, 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 pink. Ok? Attends, je check. Qu'est-ce que je pouvais? Ah, t'as gardé le chapal? Ok. Heavy mage. À 7 au 2. Yes. Ok. Je peux essayer de le rendre plus petit. Je galère trop sur Paint. Bah, tu m'étonnes. Et comment t'as viré le fond du coup? Attends. Viewer. Sprite du viewer. Est-ce que ça va exploser? Ça reset. Ah oui, en fait c'est ici qu'il faut reset.
Drunk, c'est ça le délire. Voilà, on va appeler perso 2. Ici, le perso 2. La collision. Ça va être. La peau, il va pas prendre. Je mets un. Je mets pas un truc collider comme ça. Je mets une capsule collider. De la largeur d'ici. Descend jusque là, même jusqu'à la tête. Tac. Ok. On va durer un petit peu. Voilà. Et la barre de santé, je la mets tout de suite. Voilà, je pense qu'il va être énorme. À l'aide! Ouais! À l'aide! Bam! 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 Bah alors, on est mort! Attaque des titans! C'est ça. C'est vrai qu'il est un peu fat, hein. Peur. On va le réduire en scale. Bon, on va réduire tout le sprite. 0,5. Voilà. Bidoubidoub. Bidoubidoub. Et un peu comme ça. Pas trop non. Ah, ça me plaît. Tac. Merde. Accord ajouter des dashs sur le perso. Waouh. Putain. Ouais, ils sont minuscules du coup. Attaque des minimoys. Wow. 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 En fait, faut que ça fasse tac tac. Faut que ça enchaîne direct en fait. Les dash, ça va pas être tout de suite, hein. On pourra les rajouter, mais ça va pas être tout de suite. En fait, la duration. Duration 0,5. Ouais, c'est des ouf. Regarde, on va accélérer le truc. Péon, péon, péon. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, je regarde comment on attaque. Bon, je regarde comment on fait des vraies attaques stylées. Si jamais t'es déter encore plus. Merde, j'ai perdu mon jeu. Et j'ai perdu OBS. Faire des animations. Voilà. Juste genre 3 frames ou 2. Juste que quand le perso il bouge, parti sur FIFA. Super. En gros, il juste qu'il fasse tout le monde qui descend, tu vois. Et puis le top, ça serait de faire un peu. Il est tout droit, mais tu vois, il est d'un côté. Parce que si on est un béton. Ouais, faudrait que j'augmente les persos. Pourquoi le mien il est tout flou, wesh? J'ai fait un peu de la merde aussi, hein. En gros, player, player speed, okay, bon, soit une forme, plateforme, collision. Ah, player, player. On peut le rotate normalement. Comment on peut plus? Ah, c'est où? Oh, c'est que le sprite qu'on peut rotate. Ouais, des chances. Oh, mon sprite à moi, il est mauvais. Il est mauvais. En gros, ouais, en vrai, ça passe, hein. En vrai, ça passe. Faut juste que je le mette bien, quoi.
Ok. Donc en gros, qu'est-ce qui nous manque là? Qu'est-ce qui nous manque? En vrai, on peut s'arrêter là. Hein. On a le mini épée, on a custom des ducs là. Le perso, mon perso à moi, faut que je le refasse. Le système de cœur, on pourrait repimper les cœurs également. On a étendu la map. Normalement, ils font un peu la même taille en fait. Un peu plus petit. Pas grave. Et l'épée, elle fait des dingueries. Hein. L'épée, elle fait des dingueries. Peut-être corriger ça avant de faire nimp. Si je laisse appuyer, ça fait quoi? Ah, si je laisse appuyer. Ding ding ding. Bam. Bam. Pas. Bah lui il est mort. Pas bien en fait. Je pense qu'il peut avoir une animation complète. C'est pas faux. Regarde un peu comment ils font. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faudrait essayer de pimp un peu tout. Attends, si je vais dans Donjon. Il s'appelle Mur, mais je l'ai renommé Donjon. Si je vais dans ma time map là, c'est du 32 par 32. Un peu. Est-ce que. Donjon là. Et des. À 7. Ops. Voilà. Alors, ça paraît ok. Tac. Un peu de marge, simple tuer. Mettons un tonneau, pas assez en fait. On annule. On peut annuler tout ça. La classe en pile voilà. Voilà, on clique ici un petit tonneau, mais on va voir que le bout du tonneau, ouais, c'est naze. Voilà pour le coffre, on a tout pour le coup. La caisse à la moitié. Ah oui, d'accord. Voilà. Un béton, je veux ça. Et lui. Et le faux par-dessus. C'est les murs. Bon. Oh, la flemme de depuis putain, il faut que je regarde comment ça. Ouais, en soi, c'est ça. Hein. Je vais mettre une petite caisse. Tac. Tac. Mettre une vraie caisse pour le coup. Avant, c'était un tonneau. Ça, et puis là. C'est. Voilà. Ça. Bon, ça ne fait rien, évidemment. Un peu petit. C'est dur de faire tout ça. Faut que je regarde un peu comment.
Bon, en vrai, les gars, je vais arrêter là. Arrêter là, c'est bien. Hein. Je restreamerai ce soir. Ouais, ce soir, donc là, on est pas mal. Au début, je voulais jouer, mais j'ai eu le code un peu tard, donc c'est pas très grave. Voilà, je vais me poser, travailler surtout. Et voilà. J'attends que ça se mette comme il faut. Parfait. Voilà. Parfait. Voilà, merci Jules. Merci Jules de l'aide. Et voilà, à ce soir. À ce soir, des bisous, bon app. Et voilà. NP. Merci, mère. On est là, hein, comme on dit. Bah ouais, après, il faut faire les animations, les machins. Faut que je recherche énormément de choses. Ce soir, je suis pas là. Ah, bah super. Bah demain soir, alors. Le mec, il est pas là. Cool. Je ferai concurrence. Ah! Super. Le mec qui stream aussi, quoi. Le melon. Bon, allez, ça marche. Ça marche, mec. Faut que j'y aille. Là. Ça fait trop longtemps que je stream. Un peu dans l'abus. J'ai crevé ce matin, mais bon, c'est pas grave. Ciao, ciao! Bang, bang, comme on dit. Et à plus. Ciao, ciao!